Big Spin c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Spotify et SoundCloud. Le bigger spin, soit les images et les vidéos de ceux dont on parle, c'est sur Live Skateboard Media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dieu. Allez, c'est parti. Quand t'arrives avec euh, la facilité en disant euh, c'est bon, c'est tout est acquis, euh, tu progresses pas. Et aujourd'hui, c'est ce que je me dis tous les jours. Aujourd'hui, je vis la vie que je veux vivre, c'est-à-dire que je voyage dans le monde entier, je rencontre des nouvelles personnes, je, je fais des projets qui me tiennent à cœur, uniquement parce que je le veux, uniquement parce que je donne tout pour ça, pas une banque qui me prenne de l'oseille. Je le trouve. Voilà, je le trouve, je, je m'arrache en fait, je suis un arracheur. Aujourd'hui, dans Big Spin, on est avec un drôle d'oiseau. Il a skaté et skate encore, il a travaillé dans le business des magazines de fun à roulette, et après une reconversion radicale, il optera pour la vie d'artiste. Depuis, il multiplie les voyages, les projets et les collaborations tout en ayant un œil attentif sur le skate et ce qu'il s'y passe. Avec lui, on va évoquer sa rencontre avec la planche à roulettes, grandir dans le sud-est, chercher de la publicité pour le magazine Désillusion, et il nous livrera quelques anecdotes croustillantes sur son documentaire Devoited, dans lequel il fait un point sur la presse papier qui relate du petit monde du skateboard. On est avec celui pour qui chaque seconde compte. Il est intense, curieux, n'a pas la langue dans sa poche. On est avec le fondateur du LB Project, le papa de Grenouille Pépère, le mari de Garance. On est avec Lucas. On est avec Lucas Beaufort. Big Spin Podcast. Donc bonjour Lucas. On est. Je sais même pas à quel jour on est. Moi je sais plus quel jour on est. J'ai arrêté de compter. Mais Pourtant euh... chaque seconde compte. Chaque seconde, chaque millième de seconde compte. Tu es de passage à Paris, ce qui est assez rare. Qu'est-ce qui t'amène ici ben, Parle-nous de ce que tu as fait ces derniers jours et où tu vas. Je suis de passage à Paris. En fait, ça va devenir euh, plus... Euh, ça va devenir récurrent car je m'installe en Normandie. Euh, J'ai vraiment envie de me rapprocher de la capitale pour que ce soit plus facile pour moi, pour mes déplacements. Je suis constamment à l'étranger. Et venant de Cannes, donc euh, je, prends, je prends toujours euh, l'avion de Nice. Il y a toujours un vol en plus, c'est-à-dire c'est euh, Nice-Londres, Londres-Elle, Nice-Londres, Londres-Tokyo, peu importe. Et en me rapprochant de Paris, ça va euh, m'aider sur mes déplacements. Donc euh, je suis à Paris pour justement euh, travailler sur mon nouveau bien euh, qui va être en Normandie, une maison incroyable où je vais avoir de l'espace pour créer. Et je reviens d'un trip énorme euh, en Asie. J'ai fait une tournée, quatre destinations. J'ai commencé par Bali. Ensuite, c'était Koh Samui en Thaïlande, Kuala Lumpur en Malaisie et euh, j'ai fini par Singapour. Je fais un projet euh, avec euh, le W, donc c'est une chaîne d'hôtels plutôt, euh, plutôt cool. Et je peins dans tous les W d'Asie. Là, c'est les quatre premiers. Et au final, je vais en peindre une vingtaine parce que je retourne là-bas euh, en janvier pour faire la Chine. Hong Kong, Taipei, je vais en Inde, et etc. T'es occupé donc Chaque, chaque seconde compte. <laughs> bon alors, le skateboard, ça commence où et quand pour toi Alors, le skateboard, j'ai l'impression que je suis né avec je suis sorti avec une board. C'est euh, étrange comme sensation, mais euh, la première fois que j'ai vu une planche de skate, j'avais peut-être 3 ans. Et j'ai vu juste une planche de skate qui traînait dans le, dans le placard d'un oncle, tu vois. Et j'ai pas demandé ce que c'était, je l'ai touché. Et du coup, quelques années plus tard, on va dire à 6 ans, ma mère, sans que je lui demande, elle me ramène une planche de skate style poisson. C'était donc dans les années 80, je suis 81, on va dire 87-88, elle ramène une planche de D4, je crois. Et pour faire plaisir, euh, pour pas qu'il jaloux avec mon frère, j'ai un frère jumeau. Il nous a acheté tous les deux un skate poisson euh, tonique. C'était hot tonique, incroyable, euh, un grip qui tenait même pas. Et nous, on descendait, les, on dévalait les pentes de Cannes sur les genoux. On venait plein de trous. Et c'était euh, pour moi vraiment un, un, un outil de jeu. C'était vraiment pour moi un truc de détente avec mon frère. On ne savait pas ce que c'était, on, on savait juste que ça roulait. C'était ma première expérience avec le skate, on va dire de manière euh, vraiment naïve. Et euh, ma mère, elle en avait ras le cul de voir nos vêtements déchirés, troués. Elle achetait constamment des, des jogging pour nous. Et euh, elle s'est dit ça, c'est à cause du skateboard. Ça. Euh, elle préfère qu'on fasse du piano ou un peu de dessin. Et d'ailleurs, elle nous a mis là-dedans le scout, des trucs horribles. Euh, franchement, je l'en veux encore, même si on en rigole. Mais euh, à 13 ans, elle me demande, euh, à l'âge de mes. Ouais, Noël de mes 13 ans. Elle me demande ce que je veux donc pour Noël. Et là, je lui dis euh, « Je veux un skate, un hein, vrai. » Elle me dit « Pas de problème, t'auras ce que tu veux, on va t'acheter ton skate. » Et là, j'étais à Toulouse à ce moment-là. J'ai de la famille là-bas, à l'extérieur de Toulouse, un petit village. Donc, on part à Toulouse, c'est la d'expédition. On cherche un skate shop et c'était E.T. Euh, e E.T. On dit E.T. ou E.T. Les deux Bon bah euh, En tout cas, on va chez E.T. Skate shop. Eric Terry, Skate Shop. Ok, bah, j'apprends, tu vois. Pour moi, c'était E.T. Euh, e skate Shop et euh, et je vois cette caverne de j'arrive dedans et je vois tous ces plateaux sur le mur et j'ai aucune idée de je sais même pas comment on monte un skate quoi tu vois en fait j'avais jamais vu personne faire du skate je trouvais ça juste cool de me dire euh, je veux un vrai skate on s'était renseigné donc euh, et je finis par acheter euh, une Element je crois que c'était Rees Force, un truc comme ça et euh, le gars me monte tout le matos et quand il faut payer ma mère elle dit mais c'est une blague euh... C'est à l'époque des francs et il y en avait pour 1500 francs, un truc comme ça. Ma mère pensait qu'elle pour 400 balles, on avait une planche de skate. Ma mère s'est vraiment ruinée. Quoi. Elle n'est pas une personne qui est trop, trop aisée, mais elle s'est toujours, toujours saignée pour nous. J'en suis éternellement euh, reconnaissant. Elle me, donc, elle achète le truc et, euh, et là, je rentre dans mon petit village, vis le mur sur Tarn, tiens à voir, 1500 habitants, le truc euh, tout humide, super froid l'hiver. Et je me mets à faire du skate. Et je comprenais. Enfin, si, je dévalais toujours les pentes, mais debout, et je faisais des zigzags, quoi, du tic-tac. Et je comprends, et c'est vraiment le, est ça le truc qu'il qu faut retenir c'est que je savais pas qu'on pouvait passer des obstacles. Je savais pas qu'on pouvait monter au-dessus d'un trottoir, mais j'étais vraiment largué, j'avais jamais il y avait, vu. Il n'y avait pas de vidéo encore J'avais pas, pas vu de vidéo, rien. Ouais. J'en avais pas vu, et pourtant ça existait, mais j'avais pas vu. Tu vas me dire que j'étais vraiment rien mais quoi, je... tu vois, mais c'est la vérité. Et mais je, mais je, je capte que... Euh, je sais pas, je me dis, je vais essayer de foncer sur un trottoir et de lever les roues pour voir si... Euh, parce que j'en ai marre de, de reprendre la board avec la main pour passer l'obstacle. Bref, ça marche pas, je m'explose. Me, je me, je et le retour à Cannes, là, euh, je, je me balade dans la rue avec mon skate et je vois des mecs qui skatent. Et là, c'est le, le début de, des emmerdes, en fait. C'est l'épiphanie. C'est l'épiphanie. C'est là que je dis, mais... On peut faire des trucs avec. Je vois des mecs faire des... Voilà, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, mais je voyais des planches trouillées dans tous les sens. Et un gars, il me voit, il me fait, « Ouais, viens, viens avec nous. Euh, tu fais du skate, t'es nouveau. » Et euh, les gars, ils, ils ont bien vu que je pas en faire, mais ils m'ont trouvé, tu vois, jeune et, euh, et fougueux. Ils m'ont dit... Euh, C'est ce qui se passait dans le skate à l'époque. De toute façon, t'étais intégré tout de suite. Euh, étais... Ouais, mais c'était vraiment cool, parce que j'étais vraiment... Euh, en... J'avais, j'avais demandé, mais comment on fait Comment J'étais comme si j'arrivais dans une autre planète et je voyais euh, tous ces mecs euh, qui avaient entre 14 et 20 ans. Et il y avait une scène incroyable, et je le répète encore aujourd'hui, à Cannes, dans les années 90, on était une centaine à skater au 3-plat 4. C'était le fameux spot. Franchement, ça a transformé ma vie et ça a shapé ma vie à fond, quoi. J'oublierai jamais ces moments-là. Et euh, après, tu vas dans le premier sketch -up du coin, donc c'était LSD, l'Anglois Sport Distribution. C'était énorme parce qu'ils faisaient donc venir les plateaux d'Estate. Des et il euh, y avait trois bords au mur quoi. Ils avaient du mal à les faire venir, donc t'arrives, tu fais ouais je veux une planche de skate. Vous avez quoi Ben il y en a trois. Je fais celle-là, je la veux. me fait, non, elle a déjà été réservée. Celle-là, ah, celle-là elle est pour moi. Bon ben celle-là alors. Du coup t'avais pas vraiment le choix. Tu prenais ce qu'il y avait et t'étais trop content. Tu vois, j'avais acheté une New Deal. J'avais jamais entendu parler de New Deal. Je, je trouvais, j'avais même pas le choix. J'ai dit ok, je la prends. Et j'arrive au spot et les gars ils font ouais, la New Deal. Quel 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 c'était Chapman, un truc comme ça. Je sais plus si c'était ce nom, mais euh, bref, euh, j'amène ça sur le truc. Et les mecs, qui m'ont dit C'est une board de ouf, la voulez J'étais trop. Euh, ça m'a fait du bien d'entendre de, que comme si j'avais choisi la bonne board, tu vois, alors que je l'avais juste choisi par défaut. Et le souvenir que j'ai là-bas, voilà, c'est énorme, ça a complètement transformé ma vie. Et à l'époque, je faisais un peu de foot. Et j'ai lâché le foot pour le skate, parce que j'ai fait du foot justement entre 8. Quand ma mère m'a enlevé le skate, j'ai refait du foot. Et après, à 13 ans, quand j'ai découvert le skate, j'ai fait Ok, j'arrête le foot. il y avait. À ce moment-là à Cannes, c'était la, la scène. Il y a ce qu'il y a des gens qui ont émergé dont tu te souviens, dont ouais. on a pu parler ensuite. <laughs> Moi je pense que je vais te balancer des noms, ça va pas te parler. Pas... En tout cas c'est important, le... ouais, nom prénom. Y en Mais y a, euh, y a, tu y a vois il y, y avait gens... des, il euh, y avait des JB, il euh, y avait un gars qui s'appelait JB euh, Astou, il y avait un mec qui s'appelait Nin, bon, je connais juste son prénom, c'était son surnom c'était Nin. Euh, ah ouais Fred De Nofrio. Féfé, Féfé, -fé, voilà, c'était la coqueluche euh, de l'époque. Et lui, on le voyait comme un grand, quoi, tu vois. C'était genre, ouais, jamais, mais quand il était là, on... Faisait, ah, Fred, Disquette au trois plaquettes, on voulait tous le voir ce qu'il était. C'était l'animation. Et tout le monde, euh, voilà, le voyait comme euh, la légende. Et surtout, il, allait, il avait des connexions avec euh, les US. Et euh, un jour, il nous a ramené Tom Penny, tu vois. Et euh, c'est énorme parce que pour l'anecdote, on l'attendait tous. On savait que c'était samedi, un samedi, peu importe. On était tous assis, il y avait au moins une cinquantaine de skaters, et on voit Tom arriver avec euh, donc euh, Fred et d'autres gars, en tout cas le groupe qui restait avec euh, avec Fred, et on voit Tom Penny, à l'époque vraiment, euh, tu vois, en or de Tom Penny, tu vois, euh, 97, 98, et on lui a mis une barrière de sécurité pour qu'il nous, euh, tu vois, pour le faire un setup, mais c'était juste une barrière de sécurité qui était allongée pour nous, c'était waouh, tu vois, c'est le truc. Et il arrivait, il a fait un flip front, et il a fait une tranche. Et il, euh, donc il a fait un primo euh, costaud, tu vois. Il s'est bien niqué, on a rigolé, tu vois. Tout le monde a pas peu rigolé, mais c'était nerveux. <laughs> il s'est barré direct. Donc, du coup, euh, c'était l'épisode voilà, de Tom Penny. C'était juste un trick qu'il a loupé. Et nous, on n'a pas été cool, mais c'était juste nerveux. Tu sais, tout le monde aurait rigolé quand tu fais une tranche, quoi. Ouais. Et euh, c'était un bon souvenir, et après, on l'a plus jamais revu. <laughs> Qu'est-ce que tu as comme souvenir de visuel du skate bah, c'est en fait quand euh, j'ai donc découvert le skate à Cannes et ses crews et euh, qu'on pouvait faire des choses, je me suis affilié euh, donc à LSD le... qui est devenu après Premium, le fameux ouais. Skate Premium, qui est quand même euh, tu vois, qui a été une figure à Cannes pendant au moins une quinzaine d'années et des heures intimes, sponsorisé les gars. Il y avait des boards. Il y avait euh... des boards Premium et tout. Il y avait euh, euh, voilà donc c'était quand même euh, présent et je me suis mis à acheter des VHS de manière compulsive. J'avais toutes les 411 j'avais la trilogie, j'avais la je me rappelle une, une vidéo qui m'a marqué, c'est la Hitting the Street, euh, c'était une trasher. j'avais une qui m'a marqué à fond, c'est la forest Drive, mm. euh, la deuxième Transworld, la Uno. Euh, je sais pas, c'est des vidéos euh, que j'ai poncées, quoi, tu vois, une qui m'a marqué c'est euh, la Eastern Exposure. Je sais pas, je connaissais je le... pouvais te dire ce qui avait arrivé quoi, tu vois, je connaissais par cœur, je pouvais les mater 300 fois il y avait des réunions entre nous. Quoi. On se réunissait à, à, à 10, euh, skateurs de Valbonne, tu vois, petit village, pour la mater et dire, waouh, viens, on met pause, on, on remet le trick. Il y avait un respect, en fait, du travail qui avait été effectué. Et aujourd'hui, l'abondance fait que on n'a encore plus d'intérêt, trop d'intérêt. Et c'est vrai que quand tu sais que, euh, peu importe, tu vois, Chris Jocelyn, prenons, prenons lui, par exemple, qui a été très prolifique à un moment donné, il va mettre trois ans pour faire une part on va la voir et elle sera oubliée euh, le lendemain. <laughs> de... qu'est-ce qui reste à la fin de tout ça tu sais et, et, et les longues vidéos style Adidas pendant, euh, tu vois, Away Day, tu vois, par exemple, que je trouve cool, mais je ne l'ai vu qu'une fois. Parce que c'est l'abondance. On ne peut en voir à personne. On a tout gratuit, on a tout qui est dispo. Mais euh, quand, pour reparler du fait que ouais, j'ai après complètement regardé les vidéos et j'ai et j je, je, je mimiquais complètement quoi, tu vois les styles. Je me rappelle Tim O'Connor, il m'a vachement marqué. Et je faisais le, les bras croisés. Tout le Après temps. quoi Voilà, on fait les lit, ouais. Et les gens me disent, ouais, Tim O'Connor, arrête. Ouais. Je suis non, c'est moi, tu sais. Elle mec, arrête, on t'a grillé. Je, je, je copiais les styles. Par contre, un mec m'a dit, au oh, lieu de copier Tim O'Connor, tu devrais arrêter de pousser Mongo. Et euh, là, ça m'a marqué de fou. Du coup, tu sais ce que je faisais Je quittais qu'en Switch. Comme j'arrivais pas à pousser dans le bon sens, je quittais qu'en Switch. Et du coup, j'étais euh, normal. Tu regardais les magazines, t'avais. Euh... J'achetais tout, j'achetais tout, tu vois. Tu, tu parlais de Sugar, je crois que j'ai acheté tous les numéros. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu après Trix, ça c'était juste avant, je sais plus au euh, niveau de. C'est quasiment en même temps Trix est sorti quelques années. Tyler pas mal, mais j'achetais tout, je lisais tout. J'étais vraiment, j'arrachais achet... tout. Quand je, je mettais tout au mur et j'étais. Euh un passionné de fou quoi mes, mes, mes agendas étaient recouverts mais j'étais pas le premier à le faire mais en tout cas j'avais beaucoup de, de discussions avec ma mère qui disait mais tu pouvais, je pouvais plus noter en fait mes devoirs, j'avais trop de trucs collés et je me, je me suis fait très mal en skate je me suis fait plus, les chevilles plusieurs fois euh, genre grave et euh, jusqu'au jour où j'aurais eu des problèmes pour marcher, les médecins m'ont dit arrête de faire du skate tu vas tu te démolis j'avais les, les la cheville droite qui était euh, arrachée et euh, malgré ça, bah, aujourd'hui j'ai 37 ans, ça passe vite, et je fais toujours du skate, par contre euh, j'irai jamais me flinguer, quoi. Tu vois Pour moi le skate, c'est plus... Euh... Et c'est ça que quand je vais dans un spot, et je regarde, je regarde l'élégance. Je m'en fous que tu saches faire euh, switch, art flip, euh, euh, backtale, tu vois. Mais si tu me fais un back tail posé, qui... comme beurré, tu vois ce que je veux dire, qui glisse propre, je vais te prendre dans les rois je vais te faire un clin d'œil, je vais te dire, man, tu m'as fait plaisir, tu sais. Je m'en fous de, de la technique, plus comment tu le fais, quoi et c'est pour ça que quand je skate aujourd'hui je veux pas faire des trucs trop compliqués parce que je vais me faire mal ou je vais être incapable de le faire mais un bon kickflip, je suis désolé, ça fait toujours plaisir et ça fait plaisir à voir aussi tu vois, je, sais pas, je, je trouve que l'élégance euh, dans le skate c'est le style euh, parlons du style, c'est ce qui vaut le plus en fait pour moi à mes yeux T'es féru de culture skate euh, comment tu la vois aujourd'hui et comment tu la consommes cette culture skate Je me réveille <laughs> je, je, mate, je mate du skate je vais, toujours, je vais sur, euh, euh, dans mes favoris, euh, de, euh, tu vois, de Internet et compagnie, je me réveille sketch, je dors sketch. C'est-à-dire que je me fais toujours un petit truc, euh, ça peut être une interview, ça peut être euh, juste un podcast, ça peut être juste des images. Je, ça fait partie de ma journée en fait. Je me renseigne sur tout, j'adore savoir quelles sont les dernières marques, pourquoi les qui. Tu poses beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Non, tu poses beaucoup de questions aux gens quand tu les rencontres. Ah ouais, je, oui, c'est vrai, c'est une bonne remarque. Je suis curieux en fait, je suis méga curieux. Et je vais me poser quelque part, euh, peu importe euh, si je me retrouve à un dîner entre amis, je vais poser un milliard de questions au gars. Et même s'il me parle de sujets qui ne m'intéressent pas, bah, je vais rester à trouver un truc intéressant pour moi. Le gars il va me dire Ouais, je, suis, euh, je travaille dans le bâtiment. De suite, on va faire que parler du bâtiment. Et on va dire Ouais, comment tu as fait ça Et ça coûte combien Ça rapporte combien J'aime ouais, bien savoir un peu, même au niveau économique, tu vois. Ouais, il y a beaucoup de cash là-dedans. Hein de... Et euh, j'adore, en fait. En fait, hum... au delà on parle du skate qui me passionne, mais l'humain me passionne euh, par-dessus tout, quoi, tu vois. On va faire une transition justement sur la vie active. Et tu as participé donc à ce magazine Désillusion, un grand morceau de ta vie. Alors il bah, faut, faut que tu nous racontes cette histoire. Beaucoup de gens sont beaucoup posés de questions. On va enfin savoir les tenants et les aboutissants. Alors les questions que sont, les gens sont posées, je les connais. Euh, et c'était un rôle comme le fantasme en fait. Les gens fantasment complètement sur, euh, sur tout. Euh, je pense pas qu'ils ont fantasmé au départ au début ils se marraient sur le mag et après quand le mag a commencé à avoir de l'allure ils ont commencé à fantasmer en racontant des histoires en disant il euh, y a un fameux père imprimeur ou un grand-père imprimeur mais on va revenir au début euh, Le début, c'est pote de lycée donc euh, tu es dans un lycée je faisais du skate et je rencontre un gars donc euh, Sébastien Zanella qui euh, faisait du BMX à l'époque moi je faisais du skate et lui il avait déjà pas mal de connectés avec euh, des gars sur place et tout de suite, comme je faisais du skate, on s'est connecté très rapidement. Lui, dès l'âge, en fait, à 14 ans, il était déjà très euh, impliqué dans tout quoi. Il organisait des événements de BMX, euh, il avait une asso, il organisait des, des événements BMX dans son petit village qui était pas justement un petit village qui s'appelle Pegoma dans, dans le sud-est. Il organisait des festivals de musique. Il était vraiment euh, de partout. Et c'était un moment, un mec qui était euh, activiste. Il était à présent, il organisait des trucs. Et euh, moi, j'hallucinais parce que j'aimais le skate, mais pas j'avais pas les épaules pour dire je vais, je vais monter un magazine ou une marque. Entre autres, il avait monté une marque avant le magazine qui s'appelait Underdone. Une marque avec un nom qui, je trouvais, avait une consonance un peu de techno, genre Thunderdome. Je me dis mais pourquoi Underdone et Ouais, mais Underdone, ça veut dire sanglant, un truc comme ça, je crois, ou saignant. Et euh, du coup, il avait cette marque et il me sponsorisait. T'imagines, je rentre Petite chez moi. Marque de fringues. Oui, marque de fringues local. Ils il distribuaient ça dans les sketchup du coin. Et euh, je rentrais chez moi. J'ai la Ma mère, c'est quoi ce switch Je suis sponsor. Hunter Et c'est vrai que, au final, euh, rien que d'avoir des vêtements euh, gratos, c'était euh, plutôt cool. Et euh, j'étais dans le groupe, et je me posais pas trop de questions, mais j'étais assez impressionné du fait qu'il était. Euh, il organisait les trucs. Quand t'as 16-17 ans, avoir une asso, gérer ses trucs, les papiers, moi, c'est des trucs qui, qui, qui m'horripilaient. Je voulais pas en entendre parler. Et euh, du coup, euh, en parallèle, il s'est dit, je vais, il, a, il a monté un petit zine qui s'appelait du coup euh, Désillusion. Et Désillusion, c'était vraiment euh, parce qu'en euh, en fait, il allait voir les mairies tout le temps pour euh, organiser des choses. Et c'était tout le temps, non, 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 il n'y a pas de budget, euh, c'est nul, euh, ton idée est nulle. Euh, du coup, euh, en fait, c'était la Désillusion totale parce qu'il n'arrivait rien à faire et pas à faire valoir ses, ses idées. Du coup, il s'est dit, euh, je vais faire ça et montrer que malgré ça, on, a, on va faire un magazine. Et alors, du coup, les premiers, les premiers mags sont sortis, les premiers zines, c'était vraiment genre 25 pages. Le zine sortait, on se réunissait dans les bars et on le, décou on, on le découvrait, tu vois, sur place. Tout le monde kiffait, en fait, dans le sud-est, sud quoi. Tu vois, tout le monde disait, ouais, c'est délire. C'était vraiment à l'époque. En fait, il faut se remettre un peu dans, 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 dans l'esprit à l'époque de Jackass, que euh, tu vois. Il le fallait... skate était pas très sérieux. La ouais, pas très sérieux, se, ouais. Il se prenait un peu moins au sérieux qu'à un moment. Ouais, je pense. Et c'était vraiment je sais pas nous vraiment inspiré en tout cas lui était inspiré très jackass. fallait tu vois fallait se pourrir la gueule il fallait, euh, fallait gerber fallait jeter dans les orties donc, tu vois et du coup moi j'étais autour de ça et ça me faisait rire mais tu vois j'étais autour de ça et moi j'ai continué mes études genre un de fou euh, IUT euh, commerce et après une année à l'étranger genre style Erasmus et je suis rentré il m'a dit euh, j'avais genre 20, 23 ans 22 23 il me dit euh, tu veux bosser je fais ouais Cash, il me fait bien bah euh, développer euh, avec moi des illusions. C'est parti de là, quoi, en fait. C'est pas en kiosque, ça existe pas en kiosque Pff, euh... Franchement, des, bah, il me dit bien bosser avec moi des illusions. Tout ce qu'il y avait de des illusions, c'était euh, un magazine gratuit euh, distribué dans quelques magasins de skate. Il y avait euh, trois pages de pub dedans et c'était drôle parce que les pages de pub, c'était euh, le vidéo club, c'était le tatoueur du coin, c'était très local parce que personne ne voulait entendre parler du magazine. Donc, du coup. Euh, il me dit euh, tu veux euh, développer le mag avec moi et vendre de la pub. Je lui dis euh, mec euh, franchement tu m'offres un job euh, vas-y feu on y va quoi. Et là tu plonges dans la vie active donc. Et là je plonge dans la vie active et je me prends plein la gueule tu vois c'est euh, il me donne une liste de numéros euh, euh, de marques qui étaient justement euh, des marques liées dans l'industrie tu vois mais en fait j'avais du mal à définir le magazine parce qu'en fait il y avait des interviews de pent il y avait de la musique il y avait du skate du BMX du surf du snowboard et parfois des trucs tu vois incohérents quoi donc du coup quand j'appelais les marques j'avais du mal à définir le truc et moi je, voulais, je disais on devrait faire juste un truc juste skate snow surf tu vois et pas BMX et finalement personne ne voulait entendre parler du coup on a affiné le truc on est passé skate snow surf et le BMX c'était son bébé à lui tu vois et il a dit ok on va lâcher le BMX parce que finalement il n'y avait pas de pognon et c'était difficile à franchement skate et BMX je sais pas ça fait bon ménage en fait que je sais pas ce que tu en penses mais il y a quand même un écart de culture je pense et du coup j'ai réussi à faire ça et puis euh, j'ai appelé les marques et voulaient pas entendre parler puis j'ai eu une marque qui m'a dit le jour une marque entre guillemets qui avait je sais pas et je vais te dire un truc réel mais c'était je crois que la première, le premier annonceur qui a annoncé dans le magazine qui était un petit peu c'était Bilabong et c'était même pas une marque de skate mais c'était une marque en tout cas board sport on va dire tu vois et à l'époque, ils sponsorisaient Shuriken Shannon. Donc, il ne faut pas critiquer. Ils avaient un Team Skate à un moment donné. Et ils ont mis des billes. Et ils cas. ont mis des billes chez Sugar aussi. Donc, ils ont euh... mis des quatrièmes de couve même pendant un petit moment. Exactement. Donc, euh, voilà, bilabong, j'étais content de réussir. On a fait une fête. On a fait une grosse fête pour dire ça. Et on a réussi à avoir un annonceur normal. Normal, tu vois, parce qu'avant, c'était vraiment... Le... On, a, on, on, faisait, on faisait des fausses pubs aussi, tu vois. On, quand on ne remplissait pas les trucs, on faisait créer des fausses pubs. Je, je me souviens d'ailleurs, une qu'on avait conçue, c'était... Euh... On avait écrit Spermorette, c'était la pub Spermorette pour avaler en toute sécurité. Et euh, donc, on faisait des pubs marrantes et les gens, ils croyaient que c'était des vraies pubs, etc. Il fallait trouver des moyens de, de s'en sortir, quoi. Et euh, de fil en aiguille, euh, en fait, on, faisait, on essayait de progresser, quoi. On sortait un magazine qui était ce qu'il était. On a arrêté les Panstar, on, on a essayé d'arrêter de faire des fautes d'orthographe. Et petit à petit, on a commencé à grappiller du terrain... Euh, jusqu'à euh, être crédible quoi et je me suis arri je suis arrivé au moment où je... c'était la fête quoi la fête où je remplissais euh, les pages de pub easy les marques m'appelaient on avait un beau on avait un beau mac qui était vraiment quali et euh, c'était en temps de crise après 2008 donc on a dit qu'est-ce qu'on fait tout le monde se que casse la gueule un peu les magazines sont de plus en plus restreints euh, de moins en moins de pages est-ce que nous on ne ferait pas l'inverse et on ferait de plus en plus gros et de plus en plus quali avec des pages euh, qui se déplient euh, avec on avait fait euh, le numéro 20 c'était le numéro 20, on avait fait la blague, euh, genre 20, euh, le chiffre et le verre de vin, et on a fait une couverture hologramme. Tu vois, on faisait des trucs comme ça, quoi, tu vois, et ça a plu parce qu'on était euh, on sortait un peu du lot, quoi, comme ça, tu vois. On a déjà discuté de, de ces sujets-là. Tu m'as dit que ça avait été euh, à la dure, que ton collègue de travail était très dur et que c'était quelqu'un qui t'avait formé en termes de boulot. Enfin, Est-ce que tu peux revenir sur le fait qu'il était quand même euh, draconien Ben... En fait, il était dur mais parce qu'en fait, il avait de l'ambition et c'était justement ça en fait qui a créé le personnage, c'est-à-dire que il voulait son idée à lui c'était toujours progresser en fait. C'était progression en fait, elle a fait du mal parce qu'au final toi tu arrives, tu as des idées, c'est toujours nul. Tu vois, ah, j'ai une idée, ça peut être cool hein. franchement, c'est vraiment naze, il va falloir que tu euh, pioches plus dans ta tête. On... En fait, c'était tu vois l'idée de c'est la galère en fait tu vois quand t'es en galère et que t'as besoin d'oseille pour pouvoir faire tourner un business tu vas pas nous, on n'avait pas aucune banque qui nous suivait quoi tu vois si on avait envie de se sortir un salaire il va falloir se sortir les doigts tu vois et lui il était plutôt du genre euh... Moi, je à sortir une pub c'est bien mais il va falloir en sortir une deuxième tu vois c'était c'était jamais assez en fait et euh, on a traversé des, des moments difficiles surtout au début quoi tu vois parce que parce que personne voulait annoncer dans le magazine, etc. Jusqu'à arriver à une époque où c'était beaucoup plus euh, facile parce qu'on était crédible. Franchement, on était vraiment bien, quand tu vois, mais bien parce qu'on était accueillis, on était invités, on partait voyager. A... Je sais pas, rien que te dire qu'on est passé du niveau, même pas arriver à, à appeler Volcom au téléphone, en France par exemple, j'ai essayé d'appeler personne me passait la bonne personne, à passer quatre jours chez Coston, chez, chez lui, à faire un mini docu sur lui. Je sais pas, quand tu te réalises le truc, tu te dis, on a fait un sacré bon, quoi. Et pour arriver à le faire, c'est pas du jour au lendemain, ça a été une progression. Et je te dis qu'il était dur, c'est que ça a permis ça, dur, grave, tu vois. C'était jamais assez. Il fallait, fallait envoyer plus. Quand euh, il te faisait un débrief sur ce que t'as fait, il pouvait être euh, tranchant de, de ouf. Et t'es là, tu ramassais ta, ta, ta mâchoire et tu fais, ok, je rentre chez moi et t'es vert, tu vois. Mais ouais, à la fois c'était dur, mais à la fois ça m'a peut-être aussi. Euh, Permis d'être de, de, où aujourd'hui, c'est-à-dire euh, j'ai les crocs, quoi, tu vois. Je suis comme, comme un requin, quoi, tu vois. Il n'y a rien qui m'arrête, je suis un bulldozer. Finalement, aurais, avec le recul, tu aurais aimé que ce magazine soit mieux accueilli par euh, le petit monde du skate français Ou est-ce que tu dis que c'était un mal pour un bien Je suppose que ça n'a pas été évident. Euh... Il y avait ces histoires, tu m'avais raconté une histoire avec Morgan qui t'expliquait que c'était la risée et qu'il se foutait de votre gueule. Et... Ouais, complètement. Mais en fait, euh... gants mort de V7 à l'époque... Morgan Bouvant, donc Je ne sais pas pourquoi je l'appelle. Je suis toujours appelé gants mort mais... Euh, ouais, il y a euh... beaucoup de gens, il Mar... reste gants Ouais, Morgan Bouvant. En fait, j'ai essayé de lui vendre de la pub pendant des années. Mais il s'occupait années... du marketing ouais. de Jean-Marc V7, de la distribution. Ouais. Exactement, merci de resituer... Euh... Ah, oui, en fait, V7, à l'époque, ça me faisait rêver parce que j'ouvrais un Sugar et il y avait des milliards de pubs week-end. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu un magazine de skate T'as envie des bonnes pubs, t'as envie d'une une double page America, t'as envie d'une double page Baker, t'as envie qu'il y ait une photo qui aide le magazine, tu vois. Et moi, ça me dégoûtait de, de faire entrer un annonceur avec une pub dégueulasse parce que ça n'aide pas le magazine, tu vois. Je sais pas, dix ans après que le Max soit sorti, tu vois que... Le mag a commencé à avoir de l'allure. J'ai croisé Morgan et je lui parle du mag. Il fait Ah man, franchement, respect ton mag aujourd'hui. Enfin, ton mag. Le mag, désillusion, ça a de l'allure, bravo et tout. Il me fait Je te fais une confidence à l'époque. On le recevait chez V7 et on se foutait de la gueule du mag pendant un quart d'heure. C'était la pause, la risée en fait, tu vois. Et moi, j'étais en décalage parce que moi, je lui envoyais des propales sérieuses. Et en fait, Dix ans plus tard, j'apprends qu'il se foutaient de la gueule de ouf du magazine. Et moi, je l'ai vu au téléphone. Je fais Qu'est-ce que t'en penses On sort deux numéros, on sort six numéros par an. Tu pourrais mettre, tu vois, quand t'as un, un, un Mac de skate, tu pourrais mettre une pub skate, etc. Et il me dit Ouais, je vais réfléchir. Et il est raccroché, il devait, il devait nous ouvrir au nez. Mais euh, moi, je pense qu'elle nous a servi, en fait. Je pense que quand t'arrives avec euh, la facilité, en disant euh, c'est bon, c'est tout est acquis, euh, tu progresses pas. Et aujourd'hui, c'est ce que je me dis tous les jours. Aujourd'hui, je vis la vie que je veux vivre, c'est-à-dire que je voyage dans le monde entier, je rencontre des nouvelles personnes, je, je fais des. Des projets qui me sont qui me tiennent à cœur, mais uniquement parce que je le veux, uniquement parce que je donne tout pour ça. Pas une banque qui me prenne de l'oseille. Je le trouve. Voilà, je le trouve. Je, je m'arrache en fait. Je suis un arracheur. De ce moment où tu es chef de pub pour ce magazine, comment euh, se fait cette transition vers euh, l'illustration, le dessin Qu'est-ce qui te pousse à faire ça et qu'est-ce qui, euh, qui fait que ça bascule De manière hyper euh, vraiment inattendue, moi, j'ai jamais dessiné. Ma, mon frère dessinait à l'époque. Il, il a fait genre euh, une école d'art et tout. Moi, j'avais rien à faire là-dedans. Par contre, j'aimais les, j'aimais des designs de board de skate. Donc, finalement, même si je dessinais pas, j'aimais aller en expo. J'aimais bien aller regarder des trucs, les designs, mais j'aimais pas le faire moi-même. Et à 26 ans, c'est très précis. Noël de, de mes 26 ans, je, je vais faire plaisir à mon frère et je vais lui faire un petit, euh, un petit dessin, Au lieu de lui offrir un t-shirt euh, lambda. Je vais lui faire un dessin moi-même. Et là, je, offre, euh, je lui offre euh, le dessin. Je suis assez proche du micro, ou pas C'était bien. T'es bien, t'es okay. bien. Donc, euh, j'arrive à Noël en famille. Tu suis très famille. J'adore être euh, avec tout le monde et raconter plein d'histoires. Je lui offre le dessin. Et là, il... sous quatre, toi propre, et tout le monde me dit le ouais, Lucas, tu dessines. Je savais pas que tu avais ce truc et tout." Je fais les gars, les amis, la famille. Je vous rassure, je ne suis pas dessinateur. vraiment, j'avais envie de lui amener quelque chose de nouveau, quelque chose qui. Euh qui euh, le marque, et c'est tout. Et tout le monde me, me dit, non mais t'as quelque chose, j'avais fait des mini-monstres, mais franchement ça avait, je sais même plus où c'est, j'espère qu'il l'a encore, mais ça avait pas, pas trop d'allure, mais en tout cas tout le monde m'encourage. Et le lendemain j'ai mon beau-père, euh, qui, me, qui me dit, euh, j'adore ce que t'as fait, est-ce que tu pouvais me faire une toile Je lui fais une toile, il l'accroche chez lui, je la, je, 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 je la poste sur Facebook, un gars m'envoie un message de nulle part, j'adore ce que tu fais, j'adore ça, est-ce que tu peux m'en faire une pour ma copine et c'est la première fois que je vendais, c'est la première toile que j'ai vendue. Et le gars il me dit combien, euh, combien tu me la vends euh, Je sais pas moi, un mètre par un mètre. Et quand tu n'as jamais vendu de toile, tu sais pas trop. Alors tu lui dis pas 300 balles en disant peut-être que tu sera mal entendu le mec, il va dire. Le gars il dit bingo, euh, filme-moi ton rib. Et là j'ai halluciné, j'ai fait des bons, Je dis attends, j'avais, je vais voir ma femme. J'ai dit ah, j'ai vendu une toile, 300 euros, tu imagines euh, Pour moi c'était pas normal quoi. Qui sais qui veut acheter de l'art, tu vois Et euh, un an plus tard j'ai ma première expo. Et aujourd'hui, bah, j'en fais ma vie, quoi. Donc, euh, c'était euh, un pur hasard qui s'est enchaîné, et après, c'était la boule de neige que tu envoies euh, en haut de la montagne et qui a grossi, et tu peux plus arrêter. Pas contre, je peux plus m'arrêter maintenant. C'est chaque seconde compte. C'est un peu le leitmotiv de cette interview. Chaque seconde compte. Exactement. Pour les gens qui te connaissent pas, ou t'as aussi beaucoup dessiné sur des magazines de skate. Pourquoi tu fais ça et, et après, ce qui est rigolo, c'est que ouais, tu réfléchis pas. Moi, j'ai pas l'impression que tu te demandes si c'est bien pas bien, qu'est-ce que les gens vont en penser. J'ai l'impression que c'est. Tu fais, enfin, c'est un, un fait, factuellement, tu fais. Bah, tu fais, tu postes, tu montres, tu as envie de montrer. En fait, je vais te raconter une anecdote rapide. Quand j'ai commencé à dessiner, donc, Seb me voit dessiner et il me propose de faire une illustration dans chaque magazine avec le thème du mag. Donc du coup, je trouve ça trop cool parce que ça me permet moi de me montrer un petit peu, tu vois, de me faire. Il euh, y a mon nom en, écrit en haut, illustration Lucas Beaufort. Et les gens d'ailleurs de la pub me disaient "Mais Lucas, je comprends pas, t'es chef de pub ou tu, tu te mets dans l'illustration Personne me prenait au sérieux. Hein. Tout le monde me disait euh, parce qu'en fait, on te met dans une case. T'es chef de pub, t'es pas dessinateur. Faut que t'arrêtes. L'art, c'est pas pour toi. Et j'avais pas de prétention. Je ne sais pas que t'es un artiste. J'avais juste l'opportunité d'illustrer une page. Et donc du coup, du coup, la page et je, dessine, je continue à dessiner de mon côté. Et euh, en tant que passionné de, de skate, j'avais énormément de magazines à la maison, mais des tonnes et des tonnes, je ne pouvais plus bouger. J'en je, je donnais, j'en jetais malheureusement. Et euh, j'étais en train de peindre sur une toile. À côté de moi, il y avait cette couverture de Vice, avec cette bouche ouverte. Je la prends et c'est la révélation parce que je me mets à dessiner dans la bouche de personnages. J'envoie à l'email, mais un email pourri, c'est infoadvice.com, un truc comme ça. Et euh, j'hallucine. Le lendemain, je reçois une réponse. C'est trop cool, on va la diffuser euh, sur nos réseaux. Est-ce que tu veux un abonnement Je fais ouais, grave. Et euh, du coup, là, je me tourne et je vois tous mes mags de skate. Je fais, il y a un truc là. Parce que j'ai dépensé quand même beaucoup d'argent pour les magazines de skate. Et comme j'étais passionné, de la presse même internationale, je me suis dit, je vais, je vais, je vais creuser. En plus, pour moi, c'était drôle de dessiner sur des magazines de skate. Je t'avoue que le, le leitmotiv, c'était de recevoir des magazines de skate. Après, je me suis pris au jeu et j'aimais bien l'idée de juste. Euh, parce que pour moi, il y a quand même du respect. Quand tu dessines sur une couverture, il ne faut pas, faut pas enlever le fait qu'il y a un photographe qui a shooté, il y a un magazine derrière, et je ne veux pas que ce soit mal interprété. Et bizarrement, et heureusement pour moi, je crois que j'ai dessiné sur plus de 1500 couvertures, quand même, 1500 couvertures de skate, et il n'y a aucun photographe qui m'a jamais dit euh, Franchement, tu as merdé, ne euh, touche pas à ma couverture, euh, reste où tu es. Quoi, tu vois ils, ont tous, ils ont tous compris que c'était je, je, je peignais pas sur le skater c'était juste je rajoutais un petit personnage qui aurait pu être juste un un mec qui est passé par là en fait et qui était dans l'action et c'était pour moi une façon d'imaginer que j'étais sur place ouais wow, j'aurais bien aimé voir Eric Ellington faire ce drop à ce moment-là et, et dessiner c'était une façon de de me me mettre moi-même là et euh, je, je rêvais à ça tu vois et du coup ouais euh, ce projet de recover M'a aidé énormément parce que tous les magazines de skate ont joué le jeu et ont parlé de mon travail et l'ont diffusé sur leur réseau. Et j'ai fait un putain de bon, quoi. Tu vois, j'ai fait un bon de rien à, à plein de trucs et j'ai des opportunités qui sont créées. Et ouais, c'était un bon outil pour moi, quoi. Les couvertures de skate. Et c'est comme ça que tu as connu Adrien Bullard aussi. Adrien Bubu. <laughs> Adrien Bullard, ouais, bah Adrien Bullard, euh, respect à lui. Hein. Euh, Backtel euh, c'est ça, un Backtel sur El Toro Ouais, euh, gros respect. Respect, euh, gros respect, gros respect. D'ailleurs, tu devrais l'inviter euh, à faire le big spin. Je pense qu'il a pas mal de choses à dire, surtout euh, sur le textile. Mais euh, Et, non, il voilà. Il est invité. Il est dans les tuyaux. On, on attend de trouver une date communément. Et euh, bah écoute, euh, j'espère qu'il va vous euh, donner beaucoup d'infos. Vas-y, raconte-nous cette petite histoire. Par rapport à Adrien, moi je le connais pas à des masses. Euh, il me parle de temps en temps sur Instagram pour savoir si je peux pas faire dessiner sur une de ses photos. J'ai dit, man, l'idée c'est pas que tu me demandes, c'est que je tombe sur un, un magazine et que, et que ça, ça, ça matche, tu vois. Parce que le truc c'est qu'il faut que la photo me parle. Parfois il y, y a des photographes aujourd'hui qui me contactent et qui m'envoient des photos. Je fais, dis, mec, j'adore ta photo, mais il n'y a pas la place pour un personnage. C'est pas une maison pour eux, tu vois. Et euh, du coup, euh, il lâche l'affaire. Il me relance deux, trois fois, mais il lâche l'affaire et sort ce fameux cover Transform. Il n'a pas besoin de me demander. Ah oui, c'est très récent donc. Voilà, c'est très récent. Et je me mets à, à dessiner sur le truc, euh, sur la cover. Parce que franchement, gros respect pour lui. Et puis j'aimais bien l'idée de dessiner sur les marches. Et je lui envoie la photo, il fait Waouh, ouais, man, trop cool euh, Franchement, c'est vraiment, vraiment sympa. Et euh, une semaine plus tard, euh, il sort un t-shirt avec euh, donc euh, le dessin que j'ai fait sur la couverture avec marqué Adrien Bullard x Lucas Beaufort et euh, il a vendu ça euh, voilà autour de lui et tout et je trouvais ça assez euh, anodin, assez drôle franchement je, je, je le prends comme un truc drôle, hein, comme, vraiment comme un truc drôle après euh, c'est vrai que il, ouais il, 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 il envoie ça euh, il essaie de partager le truc à tout le monde mais voilà c'était assez anodin, je, je pensais pas qu'il allait faire carrément un t-shirt avec ce truc mais bon, voilà, il... J'espère qu'il t'en a envoyé un. Hein. Toujours pas. Adrien. Adrien t'attend au tournant. <laughs> et, et de là, tu et tu, euh, tu crées ce, le fameux LB Project. Bon, en fait, euh, entre temps, j'ai quitté des illusions. Euh, euh, ça a été huit ans, ans de ma vie. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un média qui était du sud-est qui a décidé de bouger sur euh, la côte ouest, donc vers Osgore. Tout simplement parce que euh, y avait, ouais, les marques étaient présentes là-bas et que, en fait, quand tu es sur la côte d'Azur, tu es vraiment le, le mouton noir. Tu hein. n'es euh, pas trop crédible. Euh, euh, du coup, en bougeant là-bas, c'était plus facile. Les marques étaient présentes euh, du coup, pour développer le truc et même au niveau du contenu, peut-être qu'il y avait plus de choses à faire. Du coup, il a bougé. Moi, je suis resté dans le sud parce que à ce moment-là, je venais d'acheter un bien, mon premier bien. Tu vois, quand même, chose, quelque chose d'important. Je n'allais pas le vendre le lendemain pour dire OK, je te suis euh, à la vie et à la mort. Du coup, j'ai dit ok, on va tester euh, à distance. Et un an plus tard, j'ai craqué. J'ai dit, euh, c'est tombé quoi. C'est pour moi, c'est un truc faut, faut le vivre ensemble. Tu peux pas être à distance et, euh, et juste envoyer trois emails entre temps. Il y avait plus d'âme en fait pour moi. J et puis, il euh, n'y avait plus de contact. Ouais, plus, plus trop quoi. Hein. Franchement, c'était la fin quoi, tu vois. Et du coup, du coup, euh, moi, l'art, ça a commencé à prendre vraiment euh, les tours. Et du jour au lendemain, j'ai dit ok, euh, j'apprends, je, je, je préviens. Je suis voilà, je vais quitter le truc. Euh, et euh, lui il pensait que j'allais, euh, j'étais débauché quelque part. Et c'est ça le truc. Je dit « non, man, euh, j'ai vraiment euh, poussé mon art. Et donc ça a été un petit peu chaud parce que ouais, tout le monde est un peu parano, tu sais. Ouais, tu quittes pour aller où Et au final, je fais non, je quitte pour faire mon truc. Je, tu vas le voir de par toi-même. Et euh, en sortant, ben bah, moi, j'avais euh, cette idée de créer un projet qui allait rassembler donc je l'ai appelé le LB Project, euh, qui veut dire donc Lucas Beaufort Project, super super cool. Euh, tout le monde m'a dit mais c'est quoi LB Project En fait, il fallait, fallait trouver un nom et tu vois j'ai trouvé LB Project pour dire que pour trouver un nom, franchement ça n'a pas d'importance. Et donc ce premier projet, c'était euh, euh, rassembler en fait. J'aime le rassemblement. En fait L'idée que je me fais de la vie, c'est que tout seul, on est zéro, ensemble, on peut faire des trucs incroyables. On ne bâtit pas des ponts euh, tout seul avec ses bras. On a des, des gens qui sont là. Et je crois en ça, en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'a besoin le skate Je suis pas en train de dire que le projet que j'ai fait, il a transformé le skate loin de là. Je suis en train de dire que j'ai dit, qu'est-ce qu qui ferait du bien au skate C'est connecter les gens. Donc je me suis dit, je vais faire, je vais connecter les marques, parce qu'elles vont m'aider à financer le projet. Sketch-up aux artistes et finalement on connecte le public avec parce que le public va venir voir ces trucs. Et finalement, c'est un triangle qui était pour moi important, c'était la base. Ensuite, je me suis dit en Europe qui avec où est-ce que je voudrais le faire et je me suis basé sur les capitales du skate voilà, Barcelone, euh, Copenhague, Amsterdam. Pour moi, c'était des villes qui étaient quand même assez, euh, assez présentes. Paris. Et euh, j'ai invité euh, une dizaine d'artistes à participer. Donc euh, voilà, classique. C'était quand même assez classique. J'ai envoyé des planches de skate à tout le monde. Tout le monde a peint bah, dessus. C'était classique, mais parle des artistes que tu as choisis, qui sont des gens liés au skate. Ouais, complètement. Avait... Voilà, chaque artiste, si, si. Euh, tu vois, tu avais était... des Todd Bratrud, tu avais des Michael Sieben, tu avais Foss euh, qui était présent. Je, qui, je... Fait, je... qui fait Heroine, euh, Altament aussi. Exactement, bravo pour le détail. Et je leur ai tous proposé, ils ont tous adhéré au truc. Et à la fin, euh, le but, c'était de récolter des fonds pour euh, Skatistan voilà moi je, je, je me suis renseigné sur Skatistan, j'avais envie que derrière ce projet on pouvait se rassembler pour essayer d'aider une, une bonne cause et moi j'ai rencontré Oli donc le fondateur de, 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 de Skatistan euh, à Berlin, c'est un mec incroyable qui euh, aujourd'hui est plus que jamais présent euh, Skatistan est présent euh, donc euh, euh, en Afghanistan euh, présent au Cambodge, présent en Afrique du Sud et, et, et crée des skateparks indoor et euh, inclut beaucoup de filles à faire du skate donc c'est drôle parce que tu vas tu vas euh, euh, en Afghanistan voir skatistan et il y a euh, 75% de filles qui skatent et ça c'est super de voir ça parce que tu te rends compte que là bas ils se sont pas dit c'est un truc de skate ils sont juste dit euh... c'est pas un truc d'un oui. voilà ils ont dit euh, ah, pardon je je, je je perds mes mots c'est pas un truc de... c'est pas un truc ouais voilà donc du bien, coup et voilà, du coup, ben, j'ai fait ça. Et, et Donc là, tu ouais, reviens sur le concept et tu t'envoyais une planche. Et... Donc j'envoyais 5 planches euh, à chaque, euh, chaque artiste. Les artistes m'ont renvoyé des, les boards. Et euh, donc du coup, j'avais 10 artistes impliqués, 50 boards au total. Je suis allé de SketchUp en SketchUp. Euh... J'ai tout simplement fait voyager l'expo. J'ai eu euh, Benji à, à Amsterdam. J'ai fait ça avec Street Machine à Copenhague donc j'ai fait FTC à Barcelone donc j'ai eu vraiment envie de me connecter avec ces je sais pas ces entités fortes dans le skate et montrer qu'on peut être présent et finalement on s'est tous connectés et on s'est fait du bien en fait en parlant et les artistes en ont parlé et finalement on a fait une grosse boule qui a permis de faire quelque chose d'intéressant et qui m'a donné envie de faire une deuxième étape aux États-Unis donc là je me suis dit OK on était 20 maintenant on peut être plus j'ai rajouté des photographes donc l'idée c'était de dire J'appelle euh, euh, Marcel Veldman, entre autres. J'ai dit, donne-moi une photo qui pourrait être cool horizontalement. Je l'ai imprimée sur cinq skates. Et j'ai affilié Marcel Veldman à un artiste euh, en Europe ou aux États-Unis pour peindre dessus. Donc sur, la même, sur le même concept que moi de peindre sur euh, des couvertures de mag. Donc on a fait ça sur cinq dates aux États-Unis. Donc je suis allé euh, euh, chez Escapeist euh, à Kansas City. J'ai fait ça à New York avec... Euh, Comment s'appelle le, 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 le mag de le, le shop de skate? Shut, voilà. J'ai fait ça à New York avec Shut. J'ai fait ça avec les Berix. J'ai fait une date avec les Berix. Tu vois, à la fin, j'ai fait la finale avec les Berix, qui au final s'est terminé euh, euh, Je l'ai fait à l'agenda. L'agenda, c'est le trade show euh, comme le Bright, c'est un trade show. Les marques viennent présenter leur nouvelle collection je devais faire ça au Berix. au final ils m'ont poussé vers euh, vers la vers l'agenda c'était cool aussi parce que j'ai pu montrer à plus de monde j'ai fait ça avec the border en Floride donc euh, Tampa tu vois, fait, donc j'ai fait vraiment bouger ça euh, FTC euh, SF tu vois donc j'ai fait vraiment un peu partout euh, aux États-Unis et j'ai fait ça euh, dans l'idée d'aider euh, Harold Hunter Foundation et voilà donc euh, même concept euh, ça, c'était la deuxième étape pour moi. Euh, je voulais encore, encore plus me connecter à la scène, rencontrer des kids, euh, créer une émulation autour de l'art et, euh, et surtout connecter en fait. C'était cool de dire euh, tel artiste est lié avec tel photographe, lié avec tel shop et finalement, ça fait une grosse boule et ensemble, on, est, on, ensemble, on peut faire des trucs euh, géniaux. Mais Tu m'avais dit aussi que tu avais croisé tous ces artistes. Tu t'avais tenu à les voir en vrai, avais, tu t'étais démené. Fin... Complètement, je suis allé, euh, tu vois, j'ai des anecdotes de ouf, mais. Euh... Euh, j'ai mis, il euh, y avait cet artiste qui s'appelle euh, Jérémy Ville, euh, qui lui euh, vit à New York. Lui, il est pas trop dans le skate, mais il a quand même fait des illustrations dans le skate. C'est pas un skater invétéré, tu vois. C'est pas un Todd Bratrud ou un ou Michael Sieben, mais peu importe. En tout cas, je l'ai incl inclus dedans. Et il se trouve que euh, je lui donne les boards et je lui dis la deadline c'est avril et au mois de mai, j'ai toujours pas les boards. Euh, juin, j'ai toujours pas les boards et on, on a déjà fait une expo et j'ai pas ces boards. Là, je pète un plomb et je, je dis, mais qu'est-ce qui se passe Je passe par sa, son agent et son agent qui me dit, euh, ouais, mais il est hyper busy, comme ça, un projet euh, gratuit, entre guillemets, il fait passer ses projets qui sont payés euh, devant. Et au final, c'est ce que j'ai fait, j'en avais tellement ras le cul que. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il fait, il fait, il finit par faire les boards et je lui dis, est-ce qu'il peut me les envoyer et la, et la personne qui gérait ce gars elle me dit, donne-moi ton, euh, ton compte FedEx. Je sais pas, enfin, c'est simple. Envoie les bordes, donne-moi la facture, je te rembourse. J'ai pas de compte FedEx aux US, c'est Faisons les choses simples. Et à chaque fois, elle me demandait mon compte FedEx. Et un mois plus tard, j'ai dit à ma petite femme, j'ai dit viens, on va, tu veux passer un petit week à New York dit ouais, mais mais c'est quoi le truc Je t'inquiète, on va se faire plaisir et tout. Et on va à New York. Et je frappe à sa porte. Je dit je peux voir les planches Les gars, il m'a regardé avec des yeux, des yeux incroyables. T'es venu pour les planches Je fais ouais, je récupère mon avion dans dans deux heures. Je lui fais croire que je t'ai venu que pour les boards pour qu'ils me prennent pour un fou. Et je peux te donner aussi un autre exemple qui était assez drôle, mais tu vois, Todd Bradrude à l'époque, il était vraiment. C'était très compliqué. Alors, Todd Bradrude, c'est vraiment une légende dans le skate. Il a fait beaucoup de boards pour, entre autres, pour euh, créatures. Euh... C'est un Américain Ouais, c'est un Américain. Il a sa propre marque de skate qui s'appelle Sen Help, qui est vraiment cool. Du coup, euh, je, il fait les boards, tout est prêt. Il me dit, Lucas, par contre, je ne peux pas te les envoyer. Je suis, je sais pourquoi. Fait bah j'ai pas d'argent pour les envoyer. J'ai pas de problème. Je vais te faire un virement. Euh, fait le problème c'est que c'est de l'argent que tu vas m'envoyer. Il va être absorbé par les banques parce que je suis euh, je suis complètement euh, endetté à mort, tu vois. D'ailleurs euh, la veille euh, il fait un post à Instagram où on le voit devant sa banque avec en train de faire un fuck pour dire euh, fuck, euh, fuck le système et tout. Et là je comprends, tu vois. Je comprenais pas pourquoi il avait fait ça. En fait je comprends qu'il était surendetté. Est-ce que j'ai fait pour pas lâcher l'affaire parce que j'allais pas aller. Lui il était dans le nord du Dakota, euh, genre compliqué pour aller le, le retrouver. Je lui ai envoyé un bouquin avec 150 dollars en cash dedans en me disant Bon, bah, j'espère qu'il ne va pas les chourer déjà. J'espère qu'il ne va pas me dire j'ai jamais reçu le bouquin, il va se payer à manger avec. Pire, Reglo, il m'envoie un texto avec le bouquin ouvert et les 150 dollars. Et il me fait euh, Ça y est, je, je pars les envoyer. Et j'ai reçu des bords. Je crois que c'était une belle histoire. Et le gars de Polar aussi euh... Ouais, exact. Jacob Of Gren. Putain, histoire de ouf avec Jacob Of Gren, Parce que lui, il n'a pas d'email, il a pas de téléphone. Et euh, je voulais le filmer, donc je suis allé, euh, je lui ai dit « mec, je vais venir à Malmeux, je vais venir te voir ». Et je lui ai dit « filme-moi ton numéro », il fait « j'ai pas, pas de numéro bah, ».« je t'envoie donne-moi une heure pour te retrouver ». Je lui dis mec, euh, ça fait dix mecs que je t'envoie, j'ai pas de nouvelles ». Il me dit « ok, euh, c'est quelle heure, t'arrives à quelle heure ?» Je lui ai dit, à 14h », il fait « ok, euh, je viendrai quand je peux ». Et je débarque à Malmeux, à la gare. Une heure plus tard, personne. Deux heures plus tard, personne. Et là, je vois mon caméraman, je lui dis Je crois qu'on s'est fait rouler, on va rentrer. Et j'avais vraiment les boules. Et deux heures et demie plus tard, je vois un type arriver avec une capuche et un vélo, tête baissée. Il, il vient vers moi, il me fait Je lui dis, Man, ça fait deux heures et demie que je t'attends. Il me répond même pas, il me fait Suis-moi. Et là, on arrive chez lui et il avait les bords qui étaient, étaient recouverts d'un drap. Il ouvre le truc. Extraordinaire. Il a d'ailleurs travaillé sur, sur une photo de Dylan Reader. Euh, le photographe, c'était euh, c'était Ryan Allen et il fait un je sais pas, un, un, un air trop beau euh, magnifique et il y a un travail énorme sur des euh, je t'enverrai la photo extraordinaire des mecs qui travaillent dans une salle de muscu et qui sont qui ont justement qui se, qui, qui se baisent entre eux qui, euh, qui prennent des piqûres etc je dis pourquoi as fait ça il me fait pour moi la salle de sport c'est l'enfer et voilà comment je vois l'enfer et on a eu une discussion extraordinaire sur l'argent. À l'époque, il faisait des, des bords pour polar parce qu'il y, y a eu la traversée du désert. À un moment donné, il a disparu. Il faisait plus de bords. Je crois qu'il en avait, il en avait marre de. Je sais pas. Il voulait juste vivre sa vie. Ouais, ça a l'air d'être un personnage. Ouais. Et il m'a dit un truc super intéressant. Et on parlait d'argent. Euh, il me dit moi, tu vois, je suis payé euh, 500 balles pour faire un design. Et euh, je dis cool. Bah t'en fais combien par mois Il me fait j'en fais qu'un. Et Je dis pourquoi Il me fait bah, j'ai j'ai besoin que de 500 euros pour vivre. Il me fait pourquoi je voudrais plus d'argent pour faire quoi Pour en avoir, pour économiser Moi, je veux juste avoir pile poil pour pouvoir dire je suis à zéro et je refais une borde pour pouvoir revivre. Donc, lui, il, a, il est un peu à l'inverse de, de cet esprit de capitalisme en fait. On n'a pas besoin de 10 000 par mois, tu vois. Lui, il a besoin de 500 pour payer son loyer et se manger ses frites. Et j'ai trouvais ça vachement intéressant. Alors, on peut dire que c'est extrême, mais ça fait réfléchir quand même. Par rapport à ce projet, tu as tenu aussi à filmer ces gens-là. Ouais, t avais déjà une volonté de montrer euh, un peu plus euh, bah, ces personnes. -là. Complètement, je suis allé voir euh, Kyle Platz, qui, qui se super bien euh, à Londres, un artiste euh, en, anglais. Qui euh, alors, je suis allé le filmer donc chez lui, dans son studio, et après on est parti ce qui était euh, donc dans son local, euh, tu vois, son, son coin euh, à lui. C'est cool, tu vois. On, c est, c est, tu les vois dans leur dans, dans, dans la vie dans leur vie euh, au quotidien et ils ont compris que j'étais euh, comment on les appelle les gens qui sont euh, j'étais pas un, un arriviste quoi tu vois je savais de quoi je parlais et, et, et au final c'était ça s'est super bien terminé on a fait euh, on a pu vendre pas mal de, de séries d'ailleurs pour la petite anecdote à l'agenda il y a Austin Gillette qui débarque et euh, qui voit euh, la porte que moi j'ai dessinée sur Austin, lui il était au courant de rien euh, non pardon Kai Platz L'artiste anglais a dessiné sur la photo avec Austin Jet. Lui débarque, il voit sa photo et lui est en train de faire du, en train de faire sa figure et le, le dessin de Cal Il vient me voir, il fait man, c'est toi qui as fait ça Je fais non, mais c'est mon projet. Il fait ah, je crois que je vais te l'acheter. Et moi, je me suis dit Tain, trop cool, ça commence bien. Je vais avoir des fonds pour, pour la fondation et tout. Et là, il appelle sa mère. Et il fait mon, regarde ça. Il fait un FaceTime. Il me regarde, c'est moi et tout. Qu'est-ce que je fais Je te l'achète et tout. Et du coup, il fait je raccroche, je vais discuter avec lui et je lui dis Voilà, ça, ça, vaut, tel, tel, ça vaut ce prix-là. Il me dit Attends, ah, je suis un peu ricrac. Euh, J'ai même dit Allez, vas-y, je te lâche à ça. Quoi. Tu vois, je baissais un peu mon prix parce que Cal, il s'en fout. Les sous, 100% des sous euh, auraient été reversés à l'assaut. La, à, à ouais. et, euh, et au final, euh, il m'a dit Non, c'est quoi, je vais réfléchir à tout, je sais pas quoi. Il s'est barré, mais c'était euh, euh, cool de le voir et de voir qu'il était intéressé. Euh. Au final, ça s'est pas fait, mais ça s'est bien terminé. Mais j'ai eu à la fin du LB Project 2, j'ai eu quand même beaucoup de sueur froide et c'était quand même compliqué de gérer les gens. Entre autres, le bouquin, il faut envoyer 150 dollars, il faut que j'aille à New York récupérer les boards. L'autre, il a disparu, j'attends la garde pendant 4 heures, je crois qu'il va jamais venir. En fait, quand tu dois gérer, quand tu as des facteurs que tu peux pas maîtriser, ça c'est compliqué. Du coup, je me suis dit, je vais faire un nouveau film et ça a dérivé sur Devoited où là j'avais l'impression de gérer plus mon truc. C'est moi qui allais voir les gens. Sur page, j'attendais pas qu'on me donne du contenu. C'est moi qui suis allé chercher. Et euh, Comment tu finances euh, le LB Project dans les, les grandes lignes. Tout simplement, euh, je, présente le, je présente le, projet euh, aux marques euh, de skate. Tu vois, entre autres, à l'époque, Globe m'avait aidé, Volcom m'avait aidé, Ruka, je crois, m'avait aidé. Et en fait, euh, tout simplement, je n'ai pas d'argent. Je je, je, je le finance. En fait, euh, j'arrive à le financer. Euh, euh, à l'époque, j'avais invité Bibi Bastidas à venir de San Diego jusqu'à enfin Ocean Side pour être précis pour venir jusqu'à Amsterdam on s'est rencontrés comme ça fallait que j'ai un petit peu de moyens mais je trouve ça trop cool de pouvoir dire euh, je, en fait j'avais dit aux artistes Chad Eaton qui bosse vachement avec Element euh, qui lui vient de Los Angeles je lui ai dit mec tu veux choisir une date en Europe dis-moi ah j'aimerais bien venir à l'époque il était venu à Copenhague et donc il a choisi la date et je l'ai fait venir donc du coup il me fallait un petit peu de moyens et non les marques ont suivi euh, naturellement je pense que j'avais la crédibilité du mag et surtout, le projet était assez cohérent et cool. Donc, ils m'ont suivi. Sauf que j'avais le financement aucune banque. Parce que les banques, elles en ont rien à branler. Moi, d'ailleurs, je les emmerde. Je les emmerde de ouf. Et par contre, voilà il y a des gens, heureusement, qui croient en tes projets. Et, et, et pareil pour Divoid. Tu sais, il y a pas mal de marques qui m'ont suivi et qui n'avaient aucune idée de ce que j'allais faire. Parce que je n'ai pas pris de cours de comment faire un docu. Quoi, tu vois et les gens, ils peuvent me dire, ton film, c'est pas un docu mais c'est peut-être hybride, tu vois, c'est plus euh, je me suis posé une question et je suis allé poser la question aux gens Là tu contactes les gens tu pars un peu à l'aventure euh, chercher des réponses En fait à la fin de ma deuxième édition LV Project je me suis posé la question qu'est-ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire un film sur le skate et euh, je me suis dit euh, tiens euh, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et je me suis dit comment c'est possible qu'il n'y a pas un gars qui ait eu l'idée de faire un film sur les médias de skate j'étais étonné quoi, je me suis dit tiens mais et en plus, ça a vachement de sens. Comme j'ai peint sur des couvertures de skate et que j'étais connecté à tous les magazines de skate, que ce soit des mags japonais, thaïlandais, européens, américains, j'avais tous les contacts des rédacteurs. Donc, quand je suis arrivé avec le projet sous le bras et que j'ai contacté tous les gars, je fais "Bon, voilà, je vais faire un film sur vous." Et les gars m'ont dit « "Mais tu, quoi, en quoi tu te lances C'est colossal Ou Tout le monde avait un petit peu peur, tu vois, du résultat en disant putain mais qu'est-ce qu dans quoi ils s'embarquent Et j'ai commencé par le Japon d'ailleurs avec euh, VHS et c'était Masafumi c'est énorme parce qu'il parle pas très bien anglais, donc du coup euh, stressé de ouf. Euh. Comme tu parles japonais dans le texte. Ouais. Du coup, ça c'est, c'était un peu stressant parce que du coup, il, voilà, il flipait un peu. C'était pas. Après, j'ai enchaîné avec euh, directement les États-Unis et j'ai, j'ai traversé en fait les États-Unis de Seattle jusqu'à Los Angeles et sur la route, je me suis arrêté à San Francisco. J'ai interviewé des gars à San Francisco. Je suis allé jusqu'à San Diego. J'ai interviewé un mec comme Peter Smolik. Et euh, j'ai rencontré tellement de personnalités. Le plus beau projet de toute ma vie. Et ça le restera, à part si je refais un nouveau film. Et, euh, mais voilà, ce film, c'était sur les médias de skate. C'était quel était l'avenir du skate Mais si tu parles d'avenir, il faut revenir dans le passé et dire euh, comment ça s'est créé tout ça. Moi, j'ai grandi avec le print c'était super important. Les magazines euh, en Ouais, le ça. magazine. Et il faut savoir que, en fait, tout ce que j'entreprends, c'est des projets de passion. La vérité, je vais te la dire Tit, euh, c'était un projet perso, en fait. T'avais envie d'aller voir Donc, envie chez de Burnett. Michael Barnett comment c'était. Exactement, <laughs> je, voulais, je voulais aller chez, chez Trasher, moi j'ai des anecdotes de fou, Trasher il voulait pas me voir, il voulait pas entendre parler de moi, parce qu'ils m'ont dit mais ton, ton film c'est cool, mais il y a qui dedans Il y a un tel, un tel, un tel, il y a Transform, ben, c'est normal, je fais un film sur le print, sur un, je fais un film sur le papier, sur les magazines, il faut que je parle de tout le monde, sinon ça n'a pas de sens. Ouais non mais nous on va pas être impliqués à des magazines qui sont concurrents. C'est parti de là, je suis putain, je suis dans la merde parce que si je mets pas Trasher dans mon film, tout le monde va me cracher dessus. on va me dire, mec, t'as oublié Trasher espèce d'idiot, Tu crois que j'ai pas pensé à eux Ils sont très, ils sont très élitistes sur le avec qui ils travaillent, tu vois. Je pense pas que tu, tu rentres facilement chez eux. Du coup, euh, j'ai appelé tout le monde chez Trasher du caméraman, euh, à la compta. J'ai dit comment je peux faire pour vous interviewer Je veux interviewer Michael Burnett je veux interviewer euh, Tony Vitello. Non, mais laisse tomber, laisse tomber. Et je suis passé par la petite porte figure-toi que j'ai SF en fait euh, Trasher ils ont euh, le Double Rock Skate Park qui est, tu vois ce que c'est le Double Rock Skate Park donc c'est un skate park qui est vraiment à côté de de Trasher qui est couvert okay. qui est couvert exactement. et euh, ils font venir des skateurs euh, qui sont de passage ils leur font ils font un peu de contenu euh, sur place et là j'envoie un message sur Instagram au truc Double Rock pour me disant mais j'ai tout essayé chez Trasher peut-être que ça va marcher et le gars il me répond et il me dit mec j'adore ce que tu fais je suis fan de ton art euh, viens chez moi, je te... et parce que moi j'avais pas l'adresse de Trashers, tout ça. Mon problème c'est que moi je voulais frapper directement, j'avais pas l'adresse. Il me dit, viens chez moi, je fais, yeah, ça c'est ma porte d'entrée. Je débarque, sketchy le, le, le spot, à mort, il y avait des euh, seringues, c'est quand même euh, l'endroit où ils sont, c'est pas très. Euh, tu vois, a... le soir tu te balades pas trop là-bas. Et je me dis, tiens, j'ai personne, c'est un peu ghetto. Je frappe euh, au truc, un quart d'heure plus tard, pas de news, personne sort. V une une demi-heure plus tard, il sort sa tête avec un cône énorme, il est en train de fumer un pétard, mais genre un 12 feuilles. Il fait, man, excuse-moi, rentre et tout. J'arrive, je tourne. Et je débarque, il me fait Tu veux skater et Moi, j'avais pas eu tout envie de skater. Moi, j'avais envie d'aller chez Trasher direct, tu vois. Alors, je fais style m'intéresser un peu à lui et tout, même s'il était cool. Et je lui dis Mec, Trasher, ils sont à côté. Mec, pas de problème. Je, je t'embarque chez Trasher et tout, je te filerai un petit suite et tout, pas de problème. Et là, je me dis Yes, c'est la porte d'entrée. J'arrive là-bas, je croise les mecs de Juxtapose, parce que tu sais, ils ont, leur, ils ont le magazine d'art Juxtapose qui est dans les mêmes, dans les mêmes bureaux. Et là, euh, je vois Tony Vitello qui est. Euh, comment décrire Tony Vitello On va dire que c'est le fils du fondateur de Trasher. Ouais, donc euh, Tony Vitello, le fils du fondateur euh, euh, du magazine euh, qui est. Euh, Fausto. Fausto. Bravo, Fausto Vitello. Et euh, je le vois au loin et je dis au gars qui est avec moi je dis, mec, euh, comment on fait euh, Est-ce que je peux aller J'ai que des questions à poser à Tony. Il fait, mec, Tony, t'as rendez-vous avec Tony Je fais, non, je fais, oublie. Mec, tu peux pas interviewer Tony comme ça, mec. Euh, est, il est important et tout. Je fais OK. Je sais pas, tu veux pas lui demander et tout quand même. Euh, donc il va le voir. Et euh, de loin, comme ça, je lui vois un peu papoter. Il regarde moi. moment, il fait Mec, oublie. Euh, viens, on se casse. On va se prendre un petit sandwich. Il m'a acheté un pull, un pull trasher. Et euh, on se met dehors. Et, euh, et je me mets donc euh, à l'entrée. Et euh, lui, il part acheter à manger. Il me fait Qu'est-ce que tu fais Je vais rester là. Je vais attendre Tony. Je fais Mec, oublie Tony. Euh, ça va pas le faire. J'attends quand même. Tony passe devant moi, il repasse, il voit que j'attends et tout, il, re, il retourne dans les bureaux. Le gars revient avec son sandwich. Je lui dis, mec, écoute, je t'explique que je suis venu ici. Je fais un doc, je fais un docu, je veux absolument parler à Tony Il essayer de le voir et tout. On remonte. Et Tony il est au loin, il me regarde, il fait mec, mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Je lui dis, mec, donne-moi cinq minutes, juste cinq minutes. Il me fait ok, je te donne cinq minutes, pas plus. On s'assoit dans son bureau, il me donne deux heures et en plus il me donne tout quoi. Il me donne vraiment euh, tout ce que je veux entendre. Euh, les débuts de Trasher, euh, ce que c'est ce devenu aujourd'hui et surtout comment ils voient l'avenir du, du, du magazine papier. Et j'ai trouvé ce moment incroyable, mais ça a été beaucoup de, beaucoup d'efforts. Et à aucun moment tu doutes quand tu fais ce projet Non, j'étais confiant. En fait, euh, à chaque étape, dès que je rencontrais quelqu'un, ça me, ça me reconfortait. Tu vois, euh, Mark Johnson, par exemple, il m'a foutu trois lapins avant que je le rencontre, mais trois lapins durs. C'est du genre, tu fais deux heures d'embouteillage. De, pour le retrouver euh, dans un endroit et que t t tu l'attends. Et là, il t'envoie un texto pour dire, euh, je serai pas là. Et t'as fait deux heures de voiture, on a fait deux fois, et j'y croyais plus. J'ai quand même persévéré, je fais, ouais, tu ne pas qu'on te voit, etc. Et j'ai vécu le meilleur moment de, du film. C'est-à-dire que ce qui m'a donné, euh, c'était extraordinaire. Et j'ai pas tout mis, quoi, tu vois. J'ai sorti dans le film, on voit que deux minutes peut-être euh, à la fin et un petit peu pendant. J'ai sorti un, une vidéo B-Side. Avec 15 minutes, un peu, tu vois, il balance tout. Mais j'ai des trucs que je sortirai peut-être un jour quand il sera mort. Parce qu'il enfin voilà, qu y a des trucs vraiment qui sont chauds. Mais Michael Burnett, super souvenir. Je suis allé chez tout le monde. Je suis allé chez. Euh, euh, ouais, j'ai une anecdote d'ailleurs chez Smolik. À ce moment-là, quand je le filme à San Diego, il me dit Tiens, il y a mon pote, tu connais Brandon Turner euh, il est à côté, euh, tu veux l'interviewer Je fais, ok, tant qu'à faire, il est là, on y va quoi. Je vois Brandon je fais, mec, t'es chaud. Il me fait, ouais, ouais, carrément, on se pose, on, on s'assoit. Je lui pose une question. Je lui dis, euh, ouais, ça représente quoi le, le magazine de skate pour toi Il me dit, euh, bah, c'est cool. Ok. Euh, et c'est comment le skate à son Diego Pas mal. Au bout de 5 minutes, je lui ai posé les 15 questions alors que moi, ça prenait 2 heures à chaque mec. Mais euh, genre je dis mais dans ma tête je me dis mais c'est un, un mec vraiment il a rien dans le ciboulot quoi tu vois et d'ailleurs il a fait une nightclub j'étais surpris euh, de voir ce qu'il a à dire bon il, il a un peu plus parlé mais c'est pas grandiose et au final euh, je rentre chez moi et j'ai même pas gardé le truc j'ai dit delay direct j'ai effacé euh, tout le file tellement j'étais dégoûté puis dans ce moment il m'a pas trop donné de trucs c'était pas super intéressant mais j'ai senti en lui quand même qu'il avait la rage il y a la flamme, dans il y a la flamme que... encore tu sais. Parce qu'il a eu beaucoup de, beaucoup d'histoires. Tu sais, il a connu des il a connu des grandes années où il gagnait beaucoup d'argent et après. Euh, il a l'air d'avoir connu beaucoup beaucoup de périodes ouais, dures quoi. Tu vois. Ouais. Ouais. Mais donc, a... donc voilà. Après j'ai fait ce projet euh, qui à date euh, qui m'a le plus marqué. Surtout quand tu fais une heure et demie une heure et demie pardon, quand tu travailles pendant un an et demi sur ce projet et que euh, au final j'ai loué une salle de cinéma à Los Angeles. J'ai invité tout le monde et tu te présentes et tu te, te retrouves avec tu sais, des gars. D'ailleurs, anecdote de fou, euh, tout le monde est dans la salle et c'est ma femme qui est dehors et qui accueille les gens. Il y avait une liste d'invités. Et euh, là, je te raconte ce qu'elle m'a raconté parce que j'étais pas présent. Et il y a un gars qui débarque avec des tatouages sur la gueule. Et euh, il dit Ouais, euh, je m'appelle un tel, euh, est-ce que je peux rentrer Elle regarde le nom et elle me fait euh, Non, je ne te vois pas, tu rentres pas. Et lui, il dit Mais, mais, mais écoute, euh, je suis sûr que je suis dans le film, tu vois, parce que je suis connu et tout. Et là, il y a un gars qui est à l'extérieur, qui voit la scène, qui va voir ma femme et qui lui dit Vas-y, fais-le rentrer, t'inquiète, euh, c'est cool et tout, euh, il est dans l'industrie, machin. Et là, je vois qu'il y a un gars qui, qui débarque et c'était. Euh, euh, putain, ça y est, je. Le kid qui était chez Girl Rouquin, tu sais, blond, euh, qui a des tatouages sur la gueule. Euh... Putain, j'ai un. Jeremy Rogers. Donc, <laughs> du coup, je, je suis assis dans le, je assis, enfin, je suis en train de présenter le film et je vois un gars qui débarque, c'est Jeremy Rogers qui a failli se faire recaler par ma femme parce qu'elle savait pas qui c'était quand il a dit son nom. Je crois que l'anecdote était plutôt, euh, plutôt drôle, mais ce moment que j'ai vécu de une, une, un an et demi de, de tu sais pas, c'était quand même compliqué quoi. Tu vois, j'ai fait tout ça tout seul euh, de A à Z, même le montage. Et tu te retrouves dans cette salle avec des mecs, des personnalités dans le skate qui sont venus voir le film. Et euh, tu finis le film, les gens applaudissent et il euh, y a un, un, un bon feedback sur le truc. Le moment que j'ai vécu, ça vaut tout l'or du monde. Tout l'or du monde. Tu aurais pu me dire, tu veux un million d'euros ou vivre parce que ce que t'as vécu sur le truc. Je crois que j'aurais préféré juste vivre ça parce que c'était. c'est des moments de vie que tu oublies pas, quoi, en fait. Parce que j'ai voulu faire ça. C'était important pour moi de, de faire ce truc-là, tu vois. Pour, pour moi, mais aussi pour, pour faire un clin d'œil au, au, au magazine de skate. C'est toute ma vie, quoi, tu vois. Quand le rideau se, se ferme et qu'il y a les applaudissements, ça. T'es soulagé. Franchement, euh, je te dis la vérité. Que tu te dis, maintenant, il y a un, un, un nouveau truc à faire, un nouveau projet. Non, je suis franchement soulagé de, de fou. Euh, je me rappellerai toujours, quand le film a commencé, j'étais assis à côté de, de ma femme, on se tenait la main. J'étais un truc hyper euh, émouvant, tu sais. On avait tous les deux la larme. Mais parce que faut savoir qu'il n'y a pas une production derrière. C'est, euh, On voyageait de partout et ma femme, elle attendait dans la voiture, elle lisait un bouquin, quoi, tu vois. Elle m'attendait pendant que je faisais deux heures d'interview c'était je sais c'était dur quand même tu vois de elle vivait le truc elle a euh, lu toutes mes interviews elle connaissait c'est drôle parce qu'elle connaît rien dans oscat mais après avoir fait tout le film avec moi on était allé au Portugal faire le montage avec des gars on a eu beaucoup de problèmes parce qu'on a perdu on a perdu, euh, on a perdu un, du contenu on a dû tu vois revenir très, on a eu beaucoup de hauts et de bas et de se retrouver assis dans le cinéma à côté et... Euh, Vive le truc, il s'est lancé, on a eu une larme tous les deux qui a coulé et euh, franchement c'était euh, intense, j'oublierai jamais. Et quand le film s'est il, il, il terminé, les gens ont applaudi, j'ai fait ok, euh, je suis soulagé, et on peut passer à autre chose. Par contre, je ne je bloque pas là-dessus, ça fait partie des trucs que j'ai fait, mais je vois ailleurs, quoi. tu vois, je suis déjà en train de penser ça, à... Des... Ça s'inscrit dans ce que ça fait et voilà, ça prend du sens avec les choses précédentes que tu as faites. Complètement, en fait, c'est juste, tu vois, j'aime le skate. À la base, j'aime le skate, qui m'a amené à acheter des magazines de skate, qui m'a amené à dessiner sur les couvertures de skate et qui m'a amené à faire un film sur les. Finalement, tout est lié. Je n'ai pas inventé ça, en fait. Je ne me suis pas dit, tiens, il n'y a jamais personne qui a fait un film sur les magazines de skate. C'était juste mon, mon évolution naturelle, en fait. Ça m'a amené là. Pendant toute cette période entre le LB Project et Devoted, tu, tu fais des projets avec les marques, tu fais des séries pour les marques, des séries de planches. Avec qui tu as bossé Comment ça se passe, faire une série de, de planches pour une marque de skate ben, C'est vrai qu'étant moi-même impliqué pas mal dans, dans l'industrie, euh, j'attendais, j'ai fait des expos, je faisais mes projets, LB Project, c'était vraiment pour moi un projet euh, vraiment skate art. Et euh, je crois que c'était, euh, on va dire, en 2000, ma première vraie, vraie euh, euh, série de skate, parce que j'ai fait des petites planchettes, tu vois, droite à gauche, de marques euh, vraiment euh, passion, quoi, tu vois, le gars, il a sorti juste... Euh, Trois bords, donc euh, tu le fais parce que ça fait plaisir, c'est ton premier truc. Mais j'ai eu euh, donc Almost, c'est ma vraiment ma première série qui, qui a compté. Le directeur artistique m'envoie un mail en 2015 et qui me dit euh, ouais, ça te dirait de faire une série. Euh, moi, je te suis depuis pas mal de temps. Tu voudrais pas faire une série pour Almost. Et je fais mec, euh, c'est un rêve. Euh, allez, c'est parti. Et pour qui Et il me dit bah ça, on va faire Dewan Sang, euh, Younes Amrani et euh, Willow. Et tu peux pas savoir quand j'étais, euh... j'aurais pu le faire gratuitement. quoi. J'ai été payé pour le faire. J'aurais pu le faire gratuitement parce que pour moi, c'est l'aboutissement. C'est-à-dire que remets-toi un peu euh, quelques années en arrière. J'ai 14 ans. Je suis à Valbonne, dans mon petit village, et j'achète une board de... Je crois que c'était la DK Day Wonsong. Et genre, je sais pas, 15 ans plus tard, je, je... je dessine la borde pour Day Wonsong et je vois des clips de lui qui raillent la borde que j'ai dessinée. Pour moi, c'était un moment magique parce que je me dis qui l'eût cru quoi Qui l'eût cru qu'un petit jeune de Valbonne euh, dans son petit coin va bah, finalement alors c'est anecdotique parce qu'il dessine tellement de boards et il y a beaucoup d'artistes qui dessinent des planches mais pour moi c'était important. Derrière ça ça m'a aidé parce que du coup bah, ça m'a permis de montrer que je pouvais faire des choses dans l'industrie et euh, je fais des boards pour zéro. Et là c'était drôle parce que euh, je suis en train de, des minuit, je suis en train de dormir. Et euh, j'ai tout mon téléphone à côté, moi j'ai le sommeil léger, je vois mon <laughs> je vois le téléphone qui, euh, qui sonne et je vois numéro ricain Je vois direct, c'est un numéro ricain Je, je décroche, j'ai peur de personne, je me cache pas, tu vois. Je, tu peux m'appeler, moi je décrocherai tout le temps. Par contre, il faut des trucs sympas à me dire. <laughs> je décroche et j'entends je, Yo, c'est Jamie Thomas, ça va ou quoi Et là, je fais un bond du lit, et ma femme, mais qu'est-ce qui se passe Je suis t'inquiète, euh, truc de ouf. <laughs> et euh, j'habitais dans, dans un duplex, je descends dans, dans, dans le salon. Je fais, Ouais, qu'est-ce qui se passe, mis euh, Je, je m'en fous, il est 1h du matin. Euh, J'étais trop content d'avoir au téléphone. Il fait « Ok, euh, t'as fait un dessin euh, qui m'a marqué récemment où tu dessinais sur le visage euh, d'un skateur. Je que j'avais dessiné sur le visage de arto C'était vraiment un truc, euh, j'avais demandé la permission au photographe et j'ai fait ça. Et lui, il m'a dit « Arrête de faire ça. Moi, je vais faire une série avec ton concept. » Et entre autres, c'était quoi les boards que j'ai fait J'ai fait « fait Burman ». Euh, ah ouais j'ai fait Nick Bo Nick Bozerio, et le dernier je sais plus qui c'est bah, euh, il c'est m'a pas trop marqué euh, dans l'équipe dans 0 donc je fais trois boards pour moi c'était extraordinaire juste le moment quoi t as Jamie au téléphone et après on, je l'avais au téléphone tous les deux jours pour parler de l'évolution du truc euh, il lui envoyé des photos et j'avais l'impression que c'était un pote tu vois donc euh, je, je me sentais euh, je sais pas privilégié c'était juste en 2016 donc euh, juste après euh, almost au final les boards sortent et euh, c'était trop je sais pas j'étais euh, j'étais assez content euh, du résultat et content d'avoir fait ça avec lui mais je me suis rendu compte pas pour cracher sur Jamie c'est que Jamie il était à fond sur moi pendant la période des boards après quand tu lui envoies des messages j'ai voulu l'interviewer pour devoted il était pas trop présent je me rends compte que il, il, ouais il est assez opportuniste sur le moment en fait tu vois moi j'ai cru qu que je pouvais aller à, San, à Los Angeles l'appeler pour, man pour manger une pizza avec lui en fait je me rends compte qu'il était pas si disponible pour moi mais à contrario je repars sur une anecdote qui m'a marqué, c'est que Mosca, il voulait par rapport au film « Devoted », Mosca il voulait pas me parler par, pour mon film. Mais en fait, on a une passion commune de Carlin. Moi, j'ai un Carlin et lui, il a une colonie de Carlin. Un petit chien, une race de chien. Voilà, une race de chien, ouais. Et en fait, il suivait mon chien sur Instagram. Grenouille the pug, je place, je place le, 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 la petite pub. Qui a, qui a pas mal de followers. Pas mal de followers, une vingtaine de milliers de followers. Et, <laughs> euh, et vrai de vrai, hein parce que c'est ma femme qui s'en occupe, elle lui met des vêtements de ouf, des lunettes, et c'est vraiment drôle à regarder, tu sais. Et donc du coup, moi, via la page de Grenouille, The Pug, il lui commentait des photos tout le temps, ouah, t'es trop mignonne, il parle de, de mon chien, tu vois. Et là, je lui envoie des messages sur Insta, et je lui dis, salut, euh, bon, c'est pas euh, le Pug qui te parle, hein, c'est pas le chien, c'est je suis le maître. Et euh, en fait, c'est Lucas, euh, tu sais, euh, je t'ai proposé de, faire, de, de, de participer à mon film. Euh, J'ai mon Pug avec moi, viens, on se fait un, un Pug Meetup. On se rencontre avec euh, nos pugs et il dit, Mec, carrément, je te filme mon adresse euh, dans les hauteurs de Hollywood. Et je me, je me retrouve chez lui avec ses 25 pugs. Et lui, il a mon pug dans ses bras. Il lui fait des bisous. Il fait ah, Tu sais, si t'aimes les pugs, t'es dans ma famille. quoi. Si t'aimes les carlins, t'es dans ma famille. Et là, j'ai dit ah, Super, bah, on filme. Et là, j'ai sorti ma caméra et on a fait l'interview. Euh, et lui, pour le coup, Mosca, euh, on se parle souvent et j'ai toujours un lien, euh, tu vois, je trouve privilégié avec lui. Bon, bah, Jamie, il est sur d'autres trucs, mais euh, si on se croise, euh, il me dira bonjour. Ouais, Sean Mosca, <laughs> il est vraiment très, très sympa et très disponible. Ouais, assez, ouais je trouve. C'est vraiment euh, impressionnant. Ouais. Il a 25 chiens. Et ouais, pas, pas loin. Et en fait, il prend que des rescues il prend que des chiens qui sont dans les, dans les hospices euh, des chiens qui sont à l'abandon. En fait, la, la technique pour contacter Mosca, c'est il faut avoir un carlin il faut avoir un, un pug. C'est vraiment le passe-droit. C'est le passe-droit et je me suis rendu compte et du coup euh, maintenant il me suit mais il est toujours en train de commenter des photos de mon carlin. Quoi. et C'est drôle, hein, euh, le canin c'est quand même un animal spécial, faut voir, c'est comme des bulldogs avec le nez écrasé et tout mais il m'inspire énormément mon carlin d'Agor d'ailleurs. C'est comme un humain pour moi, il C'est très fragile, non, c'est ça Ouais, c'est fragile mais tu, quand il est posé euh, sur le fauteuil, euh, on dirait que c'est un humain qui est en train de lire son journal et tout, c'est assez particulier d'ailleurs. Euh, avec Moi je pense que j'ai un projet, c'est je, je vais élever des, des carlins. Je, je vais avoir une vingtaine de carlins, je vais faire une association avec euh, Muska peut-être. Bon, je vais lui en parler. Et pour finir d'ailleurs, euh, dernière série euh, en date, c'était série pour euh, Skate Mafia avec Dan Connelly. Euh, du coup c'était cool parce que j'ai fait full full série là, tout, tout le team. Euh, Wes Kramer, super content tu vois, de faire une board pour Wes Kramer que, que j'adore. Et, euh, et voilà. Là, pas d'anecdote particulière, à part le fait que il voulait que je m'associe à des personnages, tu vois. Donc ça, c'était un petit peu un peu particulier. Il voulait que je fasse Bart Simpson, que je fasse euh, Shrek, parce que je pense que lui, il voit aussi derrière l'aspect commercial du truc. Donc euh, j'ai fait Pinocchio, j'en sais rien. Tu sais qu'ils font qu ils font tous le signe du euh, skate Mafia. Et euh, du coup, c'était drôle. Euh, voilà. Smolik dans la boucle aussi. Non. Peter qui il n'était pas là, lui, c'est l'histoire, il s'est fait, il s'est fait, euh, fait têche de. Oh, et alors que moi, je pensais que c'était, euh, était à l'initiative de ce qu'est mafia. C'est euh, lui qui aurait inventé le signe, mais Dan Connelly aurait piqué le truc. Euh, Sales histoires. Le business. Quoi. Mais voilà, non, c'était plutôt cool. Euh, et après, donc, j'étais content de faire une board pour euh, Magenta, une planche. Et c'était pas pro modèle, mais euh, voilà, c'était toujours. De des guest artistes. Voilà, guest artistes, c'était cool. Et t'as d'autres projets dans le genre euh, actuellement ou... Ouais, je discute avec pas mal de marques euh, pour, ouais. des, pour des nouvelles séries, mais rien de... Je crois que j'ai envie de ralentir quand même un peu mes collabs Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, Lucas tu fais beaucoup de collab. et Je fais, ouais, mais tu sais, moi, je suis pas en CDI euh, et j'ai pas mon chèque euh, tous les 31 du mois. Ça tombe pas du ciel, je n'ouvre pas une boîte et il y a de la thune dedans. Et je dis pas que je bouffe à tous les râteliers, parce que je dis euh, toujours, euh, je, 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 je fais attention avec qui je travaille. Je ne travaillerai pas avec Red Bull, par exemple, ni avec Monster. S'ils écoutent, c'est euh, pas la peine de me contacter. Mais euh, voilà, il y a des gens avec qui euh, j'accepte de travailler. Et, et voilà, les gens ils me disent Ouais, tu fais beaucoup de collages. Je fais Ouais, mais c'est pas toi qui me payes à la fin du mois. Il y a un autre sujet euh, sur lequel on, on peut dire que es inattendu c'est euh, le rap français, qui est quelque chose qui te tient à cœur. Le rap français Déjà, c'est la langue française. Moi, j'aime les gens qui euh, écrivent bien. Et. Euh, mon frère qui m'a initié à ça, on a le même âge, c'est mon frère jumeau malgré ça, on avait quand même moi j'étais plus skate et lui il était plus dans la musique et très jeune euh, je sais plus, euh, enfin tu vois MC Solar par exemple ou euh, NTM etc, c'est lui qui a... même si c'est un truc que euh, décou... j'aurais pu découvrir moi-même il m'a fait écouter ces albums là et lui son truc c'était vraiment euh, me faire écouter le dernier truc euh... Le dernier album qu'on ne trouvait pas, le, le petit crew de, de, de rappeurs qui vient de, de tel endroit. Donc à chaque fois, il me faisait écouter des choses euh, un peu euh, méconnues, quoi, tu vois. Des albums qui m'ont marqué à l'époque. ATK, par exemple, euh, l'album Heptagone, m'a vraiment marqué. Et pourtant, euh, là, à ce moment-là, j'avais quand même de l'expérience avec lui. Alors, quand il m'a fait découvrir des, 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 des albums, j'avais euh, 14 ans, 13-14 ans, où finalement. Quand c'est sorti, j'avais 16-17 et, et je m'étais déjà fait ma, ma, ma propre opinion. Euh, euh, écouter La Brigade, La Brigade, c'est des choses euh, qui, euh, qui m'ont marqué. Mais il y a plein d'autres choses qui m'ont marqué. Euh, X-Men, euh, le, le, euh, Time Bomb. Mais euh, tout à l'heure, on en discutait au restaurant avec du recul. J'aime énormément l'écriture. Et, euh, et Oxmo, je me suis réécouté tous les albums. Et je tiens à le dire, voilà, Oxmo, aujourd'hui, me touche au plus haut point. Au-delà du fait d'écouter ses chansons... J'aime étudier ses textes. J'aime essayer de comprendre le fond du truc. J'adore le fait qu'il n'y a pas de rime souvent dans ses phrases parce que lui, il est plus un poète plus qu'un rappeur. Par contre, toi, en parlant de rap, tout ce qui se passe aujourd'hui, je, je suis bien au courant de ce qui se passe. Et apparemment, les maisons de disques n'ont jamais autant vendu du rap qu'aujourd'hui. Tout le monde s'arrache les rappeurs. Euh, tu connais Kalash Criminel j'ai vu une interview sur ce mec. Ah ouais, elle est bien l'interview, ouais. elle est assez longue. Elle est assez longue euh... et ouais. tout le monde veut se l'arracher, toutes les maisons d'isques veulent se le prendre. Et lui, il a dit fuck à tout le monde, il a dit je vous emmerde. Je trouve... Ce mec, il est assez incroyable, de par son histoire et physiquement. Physiquement, c'est impressionnant. Derrière de ça. ça cagoule. Je déteste dans le rap. Je peux... On peut dire ce qu'on veut, on peut dire que je suis à l'ancienne... Pas obligé d'insulter les mères constamment. Moi, ce que j'aime, c'est niquer des mères. Ce truc-là, je comprends pas en fait. Et ça, C'est très vulgaire. Cette je phrase. ne comprends pas qu'on. Voilà, et Kalash sort son nouvel album en novembre, là, fin novembre. Premier titre, j'aime niquer des mères comme Macron, etc. Je ne comprends pas en fait parce qu'il est beaucoup plus fort que ça. Et par contre, quand on est sur le couplet, se trouve qu'il a des phrases chocs, il a une façon de rapper qui m'intéresse. Après, c'est pour ça que je suis plutôt fleur bleue. Moi, je suis plutôt poète et j'adore. Euh, j'ai envie de parler mais on peut parler de, de plein d'autres. Il y a des mecs qui m'ont... Après, toi, tu as des mecs qui marquent comme euh, un mec comme Al Capote. Il est très vulgaire, mais je sais pas, en fait, son personnage me plaît. en fait. Il se crée des personnages complexes. Après, tout le côté vocodeur et tout, ça me parle pas. Moi, j'aime bien que tu as une voix, que tu assumes. Damso, par exemple, lui, j'ai bien étudié aussi ce qu'il faisait. Je trouve qu'il est extraordinaire de charisme. Ce mec a un charisme incroyable, quand il parle, il a du charisme énormément, mais il n'est pas obligé encore d'être trop euh, misogyne. Je suis désolé, pour moi, il est vraiment trop misogyne, il n'est pas obligé de salir les femmes, et... mais j'ai l'impression que c'est un truc dans le rap, quoi, tu vois C'est est, est vraiment une mode, hein. C'est qui... voilà, qui... un truc que je peux pas, j'ai du mal à comprendre, par contre, je travaille beaucoup, je dessine beaucoup sur le rap, et euh, j'aime écouter ce qu'ils ont à dire, tu vois euh, Parlons de Vald, par exemple, je trouve que c'est un personnage... Euh, tu sais quelle ce mec, c'est ça qui est impressionnant. Il a 24 ans, quoi, tu vois. Tout ce qu'il a fait déjà. Euh, il a une grosse discographie. Il a une déjà. grosse discographie. Il a une façon d'écrire. Euh, il peut te prendre un album par an. Au-delà de ça, ce que j'aime chez lui, c'est pas tant ses chansons. J'aime bien en fait son personnage. Et quand il se fait des interviews, il, il part en couille complet. Et il a toujours réponse à tout. Il est assez fort. Il a beaucoup de réparties. Et la répartie me plaît aussi énormément. Euh, J'écoute beaucoup de rap, Rikin aussi. Euh, euh, mais euh, ouais rap français plus quand même plus rap français euh. les freestyles de Sofiane euh, sur euh, Skyrock <laughs> Alors Sofiane euh, je suis beaucoup euh, son truc euh, c'est quoi là il fait un truc le cercle ouais, euh, t'as entendu parler le ouais, cercle Donc, il invite que, ouais. euh, voilà il invite euh, une vingtaine de rappeurs et euh, ils sont ils forment un cercle et chacun chacun son tour euh, rap freestyle sur une instru j'aime bien, bien le concept euh, euh, franchement euh, je crois qu'un mec comme Sofiane je crois que ce mec, euh, il, va être dans, il va rentrer dans la politique, euh, il serait vachement fort en fait, euh, je pense. Il aurait une armée derrière lui. Parce qu'il s'est rassemblé, il, ça a été un des premiers à aller de cité en cité pour montrer que c'est pas parce que tu viens du 9-3 que tu peux pas euh, aller dans une cité de Lyon et dire qu'on peut peut-être travailler ensemble et qu'on peut faire des clips sur place. Et je trouve qu'il est à l'initiative de belles choses. Bon, il a bloqué le périph, c'est ça Il a bloqué... Euh, une bretelle d'autoroute. Une hein. bretelle d'autoroute. Bon, euh, pendant un quart d'heure. Hein, pendant un quart d'heure. Non, mais je, moi, je trouve que le truc, il est couillu, en fait. Les politiques, ouais, c'est un scandale ce qu'il a fait, etc. Il y a peut-être des gens qui, euh, qui partaient euh, prendre leur avion. Bon, euh, Je trouve qu'il est couillu et je trouve qu'il en veut. Et quand tu connais son histoire, ce mec, il n'était pas aimé du rap. Euh, personne ne voulait entendre ses sons, je crois. Hein, C'était un peu ça. Mais il a explosé d'un seul coup avec euh, Je suis passé chez So », je crois. Euh, et euh, j'aime pas. Tout ce qu'il fait mais par contre j'aime son énergie il est extraordinaire et il est inspirant de partout tout ce qu'il fait quoi. Il est de partout le mec, il est euh... et au final il, il ouvre la voie sur euh, ce rassemblement quoi, tu vois, euh, on devrait être plus comme ça et tu vois le rap marseillais par exemple, on va parler du rap marseillais parce qu'on parle toujours du rap par exemple, mais le rap marseillais. Franchement, grandi avec la FF, gros respect pour la FF, on peut parler de IAM mais oui, euh, je pense que j'ai été plus marqué par la FF que IAM même si j'ai gros respect pour IAM. Et je sais pas ce qui se passe à Marseille aujourd'hui. Je, 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 je vois personne qui euh, relève le drapeau et euh, les gens ils vont dire Jules, Je voudrais même pas parler de lui, quoi, tu vois. Je peux même pas parler de lui. Et, euh, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je trouve que c'est un, une insulte au rap euh, marseillais, quoi, tu vois. Je trouve ça super, ouais, euh, aura des pâquerettes, tu vois. Et quand il y a eu avant des psychiatres de la rime, il y a eu des. Euh, troisième œil, il y a eu tu vois, une vraie connexion, etc. Je me dis, qu'est-ce qui est devenu le rap euh, tu, vois, tu parlais de Mehdi, de OKLM bah, Il devrait faire un truc, qu'est-ce qui est devenu le rap euh, à Marseille Ça, c'est un sujet intéressant. Ouais. Mais pourtant, ils défendent des mecs qui sont forts dans le rap, défendent Jules en disant, ouais, Jules, faut respecter, etc. Je... qu'est-ce qui se passe <laughs> Est-ce est 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 que je peux dire un truc, est -ce que je peux dire un truc Sors ton scooter volé, je te déshabille pas, je vais te violer. On a laissé quelqu'un chanter ça, on a laissé quelqu'un le dire haut et fort mec, euh, rien que ça, je ne peux, peux jamais te pardonner ça, quoi, tu vois. Voilà. Et euh, voilà, lui, il représente le rap marseillais, quoi, tu vois. Donc aujourd'hui, euh, je pense que le rap de Paris, di... enfin, en tout cas, de la région parisienne, a distancé. Euh... Alors quand même, il y avait quand même, tu vois, un équilibre, quand même. Il y avait une petite compétition, celle. petite compétition, ouais. En tout cas, merci, Lucas. Et on, on va conclure et on va passer aux fameuses questions d'Alban. Un projet que tu as fait, si tu devais en retenir qu'un Devoted Direct, j'aimerais je, je, le refaire quand même <laughs> si, si je devais le refaire, je le ferais et je ramènerais des trucs en plus Je mettrais des nouvelles personnes euh, ouais, au-dessus de tout, 100 euh, fois et La série de board dont tu es le plus content et... Franchement, Almost, parce que euh, euh, Day Wong. Quand j'ai vu Day Wong faire, euh, je ne sais plus quelle vidéo c'était mais euh, on le voit passer au-dessus d'une. Un, euh, tu sais, c'est une, une sorte de. de... Il skate sur l'eau, quoi. Tu sais, c'est une sorte de marbre sur l'eau et il fait, un, il fait genre un wheeling là-dessus. Et on voit la board et j'ai fait un print écran, j'ai imprimé l'écran, j'ai imprimé la photo, je l'ai mis sous cadre. Et je sais pas, ça a fait, ma, ça a fait mon mois, ça a fait ma vie, quoi. Tu vois, je, je... pour moi, c'est un truc, que je m'en remets pas, quoi, en fait. Mais pourtant, c'est juste un design pour une board, mais pour moi, c'est beaucoup plus par rapport à, à, à mon passé, en fait. Je respecte trop des song Pour moi, c'est la plus grande personne du skate euh, euh, d'aujourd'hui quoi juste pour sa carrière en fait et pour ce qu'il qu représente j'adore ça j'adore ce mec euh, si tu devais retenir un artiste euh, issu du skate je crois que je garderai euh, je prendrais Michael Sieben parce que je pense qu'il est lui il fait partie des personnes qui m'a influencé qui m'a donné envie de dessiner même si quand j'ai commencé à dessiner c'est pas pas par rapport à lui mais j'avais acheté des bouquins de lui et je trouvais ça trop cool ces petits monstres ces monstres me faisaient euh, je trouvais qu'il avait vraiment une patte particulière, donc Michael Sieben Une vidéo part, la vidéo part qui doit rester selon toi. Voilà, facile. PJ lad euh, Wonderful Horrible Life, parce que je. Gros classique. Parce que je l'ai vu. C'est la part que j'ai plus vue au monde, et je trouve que encore une fois, une part, c'est le skate et beaucoup la musique. Je trouve que la musique, elle, je la connais, elle va trop bien avec. Je sais plus qui. Euh, ah, ouais, plus là. Je crois que c'est Blur. Ah, C'est blur, et je trouve que la musique elle, est trop, elle va trop avec. Et la dernière ligne de, de cette part, franchement, elle est incroyable. La dernière ligne, je, je, il finit par faire un très flip et il pousse avec le bras. Il a, il a un style 3 6 il flip, euh, je, sais pas, enfin, je sais même pas comment le décrire le truc. Tout dedans, tout dedans, extraordinaire. Même aujourd'hui, quand je la regarde, elle me fait elle me fout des frissons. Euh, ouais, je garderai ça. Et si tu dois conserver un skater Je pourrais réfléchir un peu. Franchement, Muska. Pour euh, ce qu'il a représenté, euh, on peut dire ce qu'on veut, bateau, pas bateau, pas bateau qui n'a pas porté le survêt à la Muska en le remontant un peu. Tout le monde s'habillait comme lui, quoi. Tu vois, je pense qu'il a influencé plus que personne euh, à un moment donné, tu vois. L'époque de Shorties, moi, il m'a influencé de, de dingue. J'avais manqué du hip-hop. j'étais... Euh... Tu sais, quand euh, tu mimiques un gars et en plus, tu achètes ses produits, tu vois. Moi, j'ai acheté ces ES, euh, tu vois, de l'époque. Euh, acheté ses circa je suivais son truc et j'étais ouais j'étais assez fan tu vois et euh, au final euh, me retrouver chez lui à faire cette interview c'est pareil c'est ça fait plaisir tu vois pareil il, il commente mes... <coughs> mes travaux et il met des belles phrases il met des trucs genre il met pas juste un pouce il met euh, mieux en mieux j'aime beaucoup euh, ça me fait penser à tel artiste etc et je me dis mais à l'époque où je le badais qui lui cru qu'il allait commenter mes trucs il allait me dire j'aime bien ce que tu fais pour moi c'est irréel quoi tu vois ben ouais, je kadrerai Mosca juste pour ce qu'il a il a fait dans, pour le skate quoi. Il faut que tu nous expliques l'expression quand je le badais. OK. Quand euh, à l'époque je le badais, c'est je, je je le rêvais. <laughs> Et ben merci Lucas. Encore un très bon moment. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt. Voilà Big Spin c'est terminé pour aujourd'hui. Cette interview date de quelques mois, il s'est passé énormément de choses pour Lucas depuis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram, Lucas-du-bas-beaufort, pour suivre toute son actualité. Big Spin, ça se passe sur YouTube, Spotify, iTunes et Soundcloud, et sur une bonne partie des applis de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. On remercie Mehdi Pinson pour le jingle, Mathias Henault pour les conseils, Benjamin et Emeric de Live Skateboard Media. On vous remercie pour vos nombreux messages et pour votre soutien. Et si on n'attrape pas la grippe, on revient d'ici 15 jours. A bientôt